Salut dames et messieurs, salut, 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 salut. Bon après-midi à tous et à toutes. Merci d'être connectés cet après-midi. Connectez-vous, connectez-vous pour qu'on en parle, pour qu'on en discute. Donc quand on sera 50 personnes, là je vais aller dans les coulisses. Pourquoi j'ai décidé d'annuler le concert de Sidiki Diabaté et Loco le 23 juin ici à Londres. Quand il y aura 50 personnes en ligne, là, nous allons débattre. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas parce que je vais me justifier, pas parce que je vais me blanchir. Comme vous le savez, dans la vie, personne n'est parfait. Je vais expliquer la réalité des choses, les faits des choses. Et ça sera à vous de voir si moi, j'avais tort ou bien si j'avais ma part de responsabilité dans l'annulation de ce contrat ou bien de ce concert. Et je ne fais pas cette vidéo pour ruiner l'image de mes jeunes frères, c'est-à-dire Sidiki Diabaté ou bien mon jeune frère Loco en tant que tel. Vous savez, personne n'est parfait dans la vie. Donc, je veux juste expliquer ce qui s'est passé. Pas pour ruiner l'image de qui que ce soit, pas pour chercher à me blanchir. Donc, connectez-vous et dans quelques instants, je vais expliquer ce qui s'est passé du début à la fin. Merci. Essayez de partager la vidéo. Please try to share the video so that we can get a lot of people to join us in this live video because this is an official communique. This is an official video about what went wrong as far as the cancellation of Sidiki Diabaté and Loco's concert in London on the 23rd is concerned. As I was saying, I'm not doing this video to justify myself. I'm not doing this video to show that I'm innocent. Perhaps I have my own part of responsibilities as far as this concert was concerned. And I'm not doing this video to ruin or to tarnish the image or the reputation of Sidiki Diabaté and Loco. As you all know, we are all human. Nobody is perfect. I just want to explain what happened from the start till the end. That's all. Just what happened from the start to the end. And then you guys can see, can make your own judgment, can make your own opinions to see if the cancellation of this concert was my own mistake or it was the mistake of my junior brother, Sidiki Diabaté, or my junior brother, Loco. So make sure you try to connect, try to share the video so that we can have as much people as we can on board. Very important. Try to share the video, please,
so that we can have a lot of people as much as we can. Okay, I'm going to start this video by greeting all of you. Good afternoon. Thank you very much for being here today. I'm called Napo Cité, the organizer of Sidiki Diabaté and local concert that had to take place on the 23rd of June 2018 in London. As I earlier said, I'm not here to ruin the reputation of anyone. No, I'm here to explain what happened from the start till the end. It may be my fault, it may be the fault of both artists, but I'm just here to explain what happened. It's rather unfortunate that I've been working with two young men who are of the same age, that is 26 years old, but who are working, their staff are not well structured. Their team is not well structured. That's why I personally, I'm not going to blame either Sidiki or Loco. I'm not going to blame them, and I'm not going to try to ruin your image here. But when you have young guys like that at the age of 26, with the type of fame they have, with the type of money they get at their disposal, and when they don't have experts around them to guard them, to tell them how to do this job, how to carry their job, it is evident that us promoters will find ourselves where I found myself last Saturday by canceling this concert. I'll begin first of all with Sidiki Diabaté, because that's the first artist I signed for this contract. In February 2018, I contacted the team, the management of Sidiki Diabaté, through a friend called Yuyu Twarush, who is the manager of Arafat DJ. He's the one who gave me that contact. I have recordings that I'll allow you guys to listen, and so that you can understand what went wrong from the start till the end, where I canceled this show. I will develop in French. J'ai contacté l'équipe de Sidiki Diabaté en février 2018 par le biais de mon ami Yuyu Twarush, le manager de DJ Arafat. C'est lui qui m'a mis en contact avec le staff de Sidiki Diabaté. Donc, j'ai contacté Monsieur Ali Castro Traoré, qui est le manager attitré de Sidiki Diabaté. On a discuté. Au début, moi, je proposais un cachet de 7000 euros pour le concert du 23 juin à Londres. On a débattu et le manager m'a dit qu'il n'est pas en mesure de donner le cachet exact de son artiste tant qu'il n'a pas communiqué avec son artiste et confirmé le cachet exact que l'artiste veut. Il m'a dit qu'il va revenir vers moi. Il revient vers moi, il me dit qu'il a parlé avec Sidiki Diabaté, son artiste, et son artiste réclame un cachet de 10 000 euros pour le concert du 23 juin à Londres. On tombe d'accord pour le cachet de 10 000 euros. Maintenant, on doit signer le contrat. Il me dit, frère, je ne peux pas signer ce contrat tant que M. Toumani Diabaté, qui est le papa de Sidiki Diabaté, le père de Sidiki Diabaté, Monsieur Toumani Diabaté, n'a pas donné son accord pour qu'on signe ce contrat. Donc, je vais parler avec Monsieur Toumani, je vais lui présenter ton projet. S'il me permet de passer son numéro à toi, je vais te donner son numéro, tu vas l'appeler et vous allez discuter. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Le manager revient vers moi avec le numéro de Monsieur Toumani Diabaté, le papa de Sidiki Diabaté, que je respecte énormément. Dès le début jusqu'à la fin, il a été très, très courtois avec moi. Très, très courtois. Beaucoup de respect. Il s'est engagé pour la réussite de cet événement. J'appelle le papa. Il était à Paris à cette époque.
Je me présente et je lui dis que j'ai parlé avec le manager de Siliki qui s'appelle Monsieur Ali Casco et il m'a dit de parler avec lui avant qu'il donne, pour qu'il donne son accord du contrat. Je parle avec le papa me dit qu'ils sont venus en Angleterre plusieurs fois avec Siliki. Ils ont fait des concerts à Barbican, au centre-ville, dans les salles des Blancs. Et il me demande quelle est la procédure que je veux entamer pour faire venir son fils en concert à Londres. Je l'explique la procédure que je vais entamer. D'abord, mon label est enregistré en Angleterre. C'est-à-dire, je paie les impôts, je suis enregistré. Vous pouvez partir sur le net et faire vos recherches. Napocité, le Blond Noir Entertainment. Je vais faire les permis de travail pour Sidiki Diabaté. Il va venir pour le concert du 23 avec un visa de travail. Et voici comment ça se passe. Le papa me dit, tu as tout à fait d'accord, ça se passe comme ça. Donc, je vais donner l'accord, mon accord à son manager, Monsieur Ali Castro, de signer le contrat avec toi. Je remercie le papa. Le manager revient vers moi. On signe un contrat de 10 000 euros pour le concert du 23 juin à Londres. J'ai le contrat ici. Voici le contrat. Regardez la date. Vous pouvez voir la date. Il y a la signature du manager de Sidiki Diabaté. Et là, il y a ma signature. Voici le contrat, vous pouvez voir le nom du manager. Vous pouvez voir mon nom aussi. Voilà mon nom sur le contrat. Donc, on signe le contrat pour 10 000 euros après avoir parlé avec le papa. Mais quand je parle avec le papa, il y a deux choses très importantes que le papa m'a dit. Ces deux choses ont eu un impact négatif sur ce concert. Parce que ce concert a été annulé pour trois raisons principales. Et je vais vous expliquer ces trois raisons. Je vais d'abord vous permettre d'écouter le papa de Sidiki Diabaté. Je vais vous permettre d'écouter le papa de Sidiki Diabaté. Et après ça, je vais continuer à expliquer ce qui s'est passé. Merci beaucoup pour l'information. Moi, je viens de comprendre parce que, vous savez, moi-même, je vous ai conseillé que le mieux, c'est de faire avec World Bridge à Paris le visa. Et là, c'est toujours comme ça. On ne peut pas aller au Sénégal pour faire le visa. C'est impossible. On n'a jamais pris le visa. Sidiki, depuis il a commencé à voyager en Angleterre, on n'a jamais pris le visa ici à anglais en Afrique. Jamais, ça n'a jamais été fait. Donc voilà, moi je vais dire ça à Ali. Mais Ali, il ne sait pas ça parce qu'il n'a jamais été en Angleterre. Ali, il ne sait pas. Mais je vais lui en parler. C'est comme ça qu'il faut faire. Si vous avez trouvé un accord entre vous déjà pour le concert là-bas en Angleterre, je pense que le mieux c'est d'aller prendre le visa à Paris. Il faut qu'on soit sur le même niveau d'information par rapport à ça. Et ça, ce serait mieux pour tout le monde. Pour lui, pour tout simplement payer l'hôtel à Paris pour le séjour qu'il va faire pour le prendre son visa là-bas, etc. C'est tout. Voilà. Je connais tout ça. Et les gars, même là-bas à World Bridge à Paris, où on donne le visa anglais, là, ils me connaissent, ils connaissent Sidiki, ils nous connaissent tous. Voilà. J'espère que vous avez écouté. Ça, c'était Monsieur Toumani Diabaté, le papa de Sidiki Diabaté. Si vous avez bien écouté la vidéo, il y a deux faits dans cette vidéo. Le premier fait, il a exigé que Sidiki prend son visa à partir de Paris. Ce qui m'arrange. Je n'ai pas de problème avec ça. De deux, dans le message qu'il m'envoie, il parle de l'hôtel. Que je m'en occupe seulement de l'hôtel de Sidiki à Paris. Il n'y a pas une histoire de billets d'avion, pour payer des billets d'avion à partir de Bamako pour que Sidiki puisse prendre son visa à Paris. J'ai les contrats ici et ce n'est pas stipulé ici que je prends les billets de Sidiki pour Paris pour prendre le visa. Maintenant, je développe.
quand j'ai signé le contrat avec le manager, on est tombé d'accord, j'ai commencé à communiquer sur l'événement. J'ai commencé les procédures du visa de Sidiki Diabaté. Quand son permis de travail est sorti, j'ai appelé M. Ali Castro Traoré, le manager de Sidiki Diabaté, et je lui ai dit que monsieur le manager, le permis de ton artiste est prêt, le permis de travail. Est-ce que tu peux me donner la disponibilité de ton artiste à Paris pour que je programme son visa à l'ambassade d'Angleterre à Paris pour qu'il puisse prendre son visa? Le manager de l'artiste me dit, monsieur Napoléon, je vais vous donner le numéro du manager européen de Sidiki Diabaté. Vous allez l'appeler et il sera en mesure de vous dire quand Sidiki Diabaté sera à Paris pour que tu le programmes d'aller prendre son visa anglais. Il m'envoie le numéro, j'appelle le manager européen qui s'appelle Monsieur Saoul. J'ai son contact, je présente le problème à Monsieur Saoul. Saoul me dit clair et net, Monsieur Napoléon, au jour d'aujourd'hui, je n'arrive plus à maîtriser l'artiste Sidiki Diabaté. Mais qu'à cela ne tienne, je vais t'envoyer le contact de sa petite sœur qui s'appelle Jelika Diabaté. C'est elle qui sera en mesure de te donner les informations nécessaires. Mais à partir d'ici, je n'arrive plus à maîtriser mon artiste. Il m'envoie le numéro de Madame Jelika Diabaté, la petite sœur de Sidiki. Moi, je l'appelle. Je me présente. Je dis que je m'appelle Naposité. J'ai un contrat avec Monsieur Ali Castro pour le concert du 23 juin à Londres. Elle me dit carrément qu'elle n'est pas au courant de mon contrat et elle n'est pas au courant d'un concert avec Sidiki Diabaté le 23 juin à Londres. Mais qu'à cela ne tienne, elle va revenir vers moi avec des informations concernant mon contrat. Elle repart, elle revient, elle me dit qu'elle est au courant du concert de Sidiki à Londres le 23 juin. Elle me demande c'est quoi mon problème. Je dis à Madame Jelika que mon problème, j'ai deux problèmes. Le premier problème est que j'ai déjà le permis de travail de M. Sidiki Diabaté. J'aimerais savoir sa disponibilité sur Paris pour que je le programme pour son visa anglais. Et de deux, j'aimerais avoir une vidéo de confirmation de Sidiki Diabaté pour le concert du 23 juin. Parce que j'aimerais avoir cette vidéo pour communiquer avec cette image concernant mon événement. Elle me pose une condition. Elle me dit, pour la vidéo, ce n'est pas un problème. Si je fournis les billets d'avion de Bamako à Paris, elle va faire la vidéo de confirmation, elle va m'envoyer. Ce qui n'était pas prévu dès le départ, que je dois faire voyager Sidiki de Bamako à Paris. Je tombe d'accord, je dis, il n'y a pas de souci, je vais faire les billets et je vais vous envoyer. Entre-temps, j'ai un sponsor qui s'appelle Royal Air Maroc. On a signé un contrat de partenariat pour cet événement. Je pars voir le manager de Air Maroc, je l'explique le problème. Je lui dis, monsieur le manager, c'est vrai que vous êtes tombé d'accord avec moi pour faire déplacer Sidiki Diabaté de Bamako à Londres pour le concert du 23. Mais actuellement, je suis coincé. Coincé à au niveau où on m'a demandé de fournir des billets d'avion de Bamako à Paris pour que l'artiste puisse prendre son visa. Le manager me dit, je suis désolé, ce n'est pas ce qu'on s'est dit dès le début. Ce qu'on dit dès le début était que vous allez, nous, on va faire déplacer l'artiste de Bamako. S'il arrive à Paris et il n'a pas le visa, nous, on fait comment? Je sors les documents du permis de travail, je sors le bilan des permis de travail que j'ai fait pour d'autres artistes, je rassure le manager que Sidiki aura son visa à partir de Paris. Il n'y a pas de raison de panique. Le manager donne son accord pour me donner les billets d'avion de Bamako à Paris pour que Sidiki puisse prendre son visa. J'appelle la sœur de Sidiki. Je demande à sa sœur, Madame Jelika, quelle est la date de votre voyage pour partir à Paris
pour que Sidi Kif prend son visa. Elle me dit, Monsieur Napoléon, prends le billet pour le 16 juin 2018. Prends le billet pour le 16 juin 2018. Je communique avec Air Maroc que l'artiste est prêt à voyager le 16 juin. Air Maroc fait les billets. 2 économies, 1 billet business class pour Sidiki Diabaté. J'ai les billets ici. Et voici le billet, le premier billet de Sidiki Diabaté. Pour le 18 juin, pour le 16 juin, il était censé voyager le 16. Voilà son nom. Regardez son nom. Et regardez la date. J'ai encerclé la date. Le 18 juin. Voilà son premier billet. Il était censé quitter Bamako le 16 juin pour Paris pour faire sa demande de visa. 2 jours avant le jour du voyage, le papa, M. Toumani Diabaté, m'appelle. Il me dit que le ramadan va tomber entre le 15 et le 16 juillet. Il préfère que je change le billet du 16 et je mets ça au 17 juin. Parce qu'il veut que son fils fête le ramadan à Bamako et il y a les griots de Bamako qui ont un grand manifestation dont Sidiki doit être à cet événement majeur. Mais il faudrait que je change le billet pour le 17 juin. Je dis pas de souci. J'ai appelé Royal Air Maroc. Ils ont changé le billet pour le 17 juin. Voici le billet du 17. Regardez la date. Après avoir changé le billet le 16, on m'a demandé de changer le 17. Voici le billet du 17. J'ai changé. Quelques heures après avoir changé le billet, Madame Jelika Diabaté me contacte. Elle me dit que Sidiki a un contrat au Burkina Faso. Ils ne seront pas en mesure de faire le voyage au Burkina et rentrer, prendre le vol le 17 pour Paris. Elle m'a demandé de changer le billet pour le 18. Donc, après le 16, après le 17, maintenant, on me demande de changer le billet le 18. J'ai appelé Air Maroc, j'ai changé le billet pour le 18 juin 2019. 2018, désolé. Voici le billet du 18. Donc, j'ai changé le billet. On me demande de faire le billet pour le 16. Je fais le billet pour le 16. On me demande de faire le billet pour le 17. Je fais le billet pour le 17. On me demande de faire le billet pour le 18. Je fais pour le 18. Le 18, on me contacte qui ne seront pas à mesure de voyager parce que Sidiki vient à peine de rentrer du Burkina Faso, qu'il est fatigué, qu'ils ne vont pas voyager le 18. Bon, je vais vous montrer les raisons pourquoi Sidiki n'a pas fait le voyage du 18 à partir de Bamako. Je suis désolé, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est le 17.
Donc, on me demande d'acheter des billets d'avion de Bamako à Paris, des vols directs. Ils me demandent, ils me disent qu'ils ne peuvent pas voyager avec Air Maroc. Or, entre-temps, je n'ai pas un budget prévu pour prendre les billets d'avion à partir de Bamako pour Paris. Ils ont carrément refusé de prendre le vol Air Maroc, les tickets que Air Maroc m'a donné. Tu vois, voici ma réponse. Dès qu'on me pose ce problème, j'envoie un message à Monsieur Toumani Diabaté, le papa de Sidiki Diabaté, pour l'expliquer pourquoi je ne serai pas en mesure de payer des nouveaux billets d'avion. Je voudrais que vous écoutiez ça. Bonjour papa, j'espère que tu vas bien. C'est pour te remercier pour tous les efforts que tu es en train de faire. Bonsoir papa, j'espère que tu vas bien. Papa, je suis désolé de te déranger, mais je t'envoie ce message à propos du voyage de Sidiki ce soir. Jelika m'a écrit ce matin en me disant que Sidiki est fatigué, il est épuisé, il ne pourra pas voyager ce soir. Qu'il faut que je paye de nouveaux billets pour Bamako, Paris. Papa, j'ai un partenariat avec Air Maroc, c'est déjà signé. On a un deal, tu vois. Donc, à cet instant, je ne pourrais même pas reculer pour prendre des nouveaux billets pour faire voyager Sidiki, parce qu'il y a déjà un contrat de partenariat avec Air Maroc. Est-ce que tu m'as un peu? Et de deux, on n'a plus de temps, papa. Sidiki doit être à Paris le plus tôt possible pour prendre son visa. J'ai déjà fait la demande de son rendez-vous pour mardi matin. Il doit être à l'ambassade mardi matin. Papa, s'il te plaît, parle à mon jeune frère de voyager ce soir. Sinon, ça sera vraiment compliqué. Ça sera vraiment, je suis épuisé. Moi-même, je suis déjà tellement stressé. Tu vois, parce que chaque jour, il y a une nouvelle truc qui vient. Après l'augmentation de cachet, maintenant, c'est. Bon, ça c'est le papa. J'ai envoyé un message pour expliquer à le papa pour qu'il fasse tous ses efforts pour que Sidiki quitte, Bamako le 18 juin pour Paris. J'ai envoyé ce message et Sidiki n'a pas voyagé le 18. Il a voyagé pour Paris le mercredi dans la nuit. Mais entre-temps, quand il ne voyage pas le 18, j'appelle Air Maroc, j'explique à Air Maroc que Sidiki a raté son vol. Il a raté son vol pour le 18, donc il faudrait lui mettre dans le vol du 19. Air Maroc n'a pas hésité, ils m'ont refait des billets, le dernier billet d'avion. Et j'ai le billet ici. Voici le billet. Ça, c'est Air Maroc. Air Maroc a fait le dernier billet pour le 19 juin. Le 19 où il doit voyager, il part à l'aéroport. Il dit que Air Maroc n'a pas confirmé sa place business class. Mais l'équipe de Air Maroc a quand même réussi à le convaincre que comme il y a un escale d'une heure au Maroc, du Maroc à Paris, il va s'asseoir sur sa place business class pour partir à Paris. Il a accepté. Et il a fait l'embarquement. J'étais tellement content, j'ai tellement fêté. Une heure après, le monsieur m'appelle. Il me dit qu'il y a un problème. Je dis, quel est le problème? Il dit que l'avion qui devait les amener de Bamako pour le Maroc et a fait un demi-tour en Guinée-Conakry pour prendre le kérosène. Il ne sait pas quand l'avion va rentrer et il ne veut pas rester ici à l'aéroport. Lui, il va rentrer chez lui. Et désormais, il me dit qu'il ne veut plus de Air Maroc. Si je n'achète pas des billets d'avion de Bamako à Paris, il faut que j'oublie. J'oublie
qui ne viendra pas au concert. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Entre-temps, j'essaie de manager avec sa petite sœur pour les faire comprendre l'importance de venir sur Paris le plus tôt possible. L'importance de venir sur Paris le plus tôt possible. Voici le message que j'ai envoyé à sa petite sœur. Salut Jenica, je comprends sa position, c'est ce que je disais. Si, dès le début, on m'avait dit sur le contrat que Sidiki ne prend pas la rame ou n'importe quel vol, j'allais pu prendre le ticket. Bonjour Jenica, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Jenica, je comprends tout à fait que tu m'as tout exposé. Et comme moi je t'ai dit, tu vois, c'est plus le temps de réfléchir et venir vers vous. Bonjour Jenica. Honnêtement, sincèrement, du fond de mon cœur, je ne vais pas te mentir, il n'y a même pas... S'il vous plaît, écoutez ça très bien. Écoutez le message que j'ai envoyé à sa sœur. Écoutez très, très bien. Ce n'est pas que je vais dire ça et après, je reviens vers toi. On n'a plus de temps. Donc, je te dis sincèrement, actuellement, ce que je peux faire. À cet instant, on ne peut plus prendre des billets. On a un partenariat avec Air Maroc signé. À part les pieds, ils ont mis l'argent dans la com aussi. Tu vois, donc le label est en jeu. Donc on ne paye, il n'y a même pas de recul. Parce que si on tente, ils vont porter plainte contre nous ici. Et c'est, ça sera très, très grave pour nous. Très grave. Tu vois, ce n'est pas notre premier événement. On est dans une continuité. Donc on va pas tomber dans ce genre de problème et payer des amendes après. Est-ce que tu vois un peu? Ils ont fourni les pieds. Aujourd'hui, même c'est dimanche. Il n'y a même pas moyen de changer pour demain, pour lundi. Il n'y a même pas. Aujourd'hui, c'est dimanche. Tous les bureaux sont fermés. Donc, où je te parle, si vous ne pouvez pas voyager ce soir à 2h du matin, lundi matin, ça veut dire que c'est mort. Parce que même pour changer la date l'autre jour, ça n'a pas été facile. J'ai dit que j'ai fait mon mieux. J'ai maigri. J'ai maigri, je n'ai jamais stressé comme ça sur la vie de ma mère que j'aime tellement. Tu vois, à cet instant, je ne peux plus rien faire. Je jure sur la vie de ma mère. Je ne peux plus rien faire. C'est chaud. Donc, si vous ne pouvez pas voyager ce soir, bon, je laisse tout entre les mains de Dieu. Maintenant, c'est à vous. Mais maintenant, je ne peux plus. J'ai un partenariat que je ne peux même pas reculer. De un, de deux, aller prendre encore là les billets d'avion pour Paris. Tu sais combien les billets va coûter actuellement? Tu dis, gars, moi et toi, on a parlé depuis un mois. Il fallait me dire que non, Air Maroc ne vous arrange pas. Payer un billet d'avion à la veille de vos voyages, c'est énorme, c'est beaucoup d'argent. On investit pour gagner, on n'investit pas pour perdre. Je suis un enfant de pauvre où je te parle, je reviens du boulot. J'ai travaillé hier nuit, c'est maintenant que je rentre chez moi, je suis dans le métro. Tu vois, on souffre. D'abord, cette histoire, c'est d'abord la passion. On fait ça par passion. Je ne suis pas un chef d'État, je ne suis pas un ministre. Je suis un jeune. Nous sommes des jeunes qui ont fait ça par amour d'abord. Donc, ne pensez pas que vous avez affaire avec des grands managers. Non, non, non. C'est des jeunes qui aiment d'abord la culture africaine, qui ont la passion pour l'événementiel. Tu vois, donc honnêtement, je dis que sincèrement, je ne pourrais pas. Ça, je te dis du fond de mon cœur, sur la vie de ma mère que j'aime tellement. Donc, et si ça ne vous arrange pas, honnêtement, je ne sais plus quoi faire. Mais je sais que j'ai tellement fait mon mieux pour que vous veniez ici et pour qu'on travaille tranquillement et pour qu'on se sépare en paix et très longtemps. Bonjour. Je vous explique ça pour vous montrer la galère, le désert que j'ai traversé pour faire voyager Sidiki de Bamako à Paris. Il y avait des billets d'avion, il y avait tout. Air Maroc m'a fourni des billets, ils ont changé les dates différentes à l'heure, ce qu'ils ont demandé, j'ai respecté ma part des choses. Je vais vous faire écouter ce message encore que j'ai envoyé à la petite sœur, une petite fille de 22 ans. Vous vous imaginez?
On prend une petite fille de 22 ans de gérer la carrière d'un artiste de l'envergure de Sidiki Diabaté. Une fille qui ne connaît rien dans le showbiz, qui ne maîtrise rien, qui ne sait rien. On confie la carrière d'un artiste de cette envergure. Je vous envoie, je vais vous faire écouter le message, un autre message que j'ai envoyé à sa petite sœur. Et cette histoire de voyager quand demain, tu vois, c'est l'ambassade, c'est pour tout le monde. S'il y a beaucoup de dossiers à régler, le visa va sortir quand? Le visa va sortir quand? On n'a pas du tout de temps. Il n'y a pas le temps. À part le visa de Sidiki, il y a ton visa. Il y a le visa du Diki. Il y a tout ça. Vous allez faire la demande de visa quand? Mais quand même, Jelika, quand même, nous sommes aussi des êtres humains. Mais ne nous confondez pas. On est des pauvres, on est des enfants, des pauvres qui se cherchent. Ne nous mettez pas au niveau des gens qui vous envoient des jets privés pour voyager. Je vous en prie, je t'en prie, ma soeur. Pardon. Du fond de mon cœur, si vous ne pouvez pas quitter demain matin, ça veut dire qu'il n'y a plus moyen. Parce que si vous ratez le vol là, je ne pense pas que ces gens seront partants même de me le faire dire. Tu vois, et on ne va pas investir l'argent, l'augmentation de cachet, prendre des billets d'avion qui coûtent cher. Et après, on ne rentabilise pas, on paye de l'argent. On fait ça pour aussi gagner un peu d'argent. Tu vois, donc essayez de nous considérer aussi quand même. Essayez de nous considérer, soyez quand même, prenez-nous aussi comme des humains. Tu vois, quand même, Jelika. On a été patient, cool, malgré tout, on a gardé le sang-froid. Franchement, bonne journée, faites un bon voyage. Voilà le message que j'ai envoyé à sa sœur pour la faire comprendre l'importance de voyager le 18. Elle a été catégorique que Sidiki ne va pas voyager le 18. Et le lendemain, j'étais surpris de voir sur les réseaux sociaux Sidiki Diabaté au palais présidentiel avec le président du Mali. Donc, il n'a pas voulu voyager avec les billets que j'ai fournis parce qu'il devait se rendre à la présidence le lendemain. Mais quand cela ne tient, j'ai toujours essayé de dialoguer sans savoir les intentions. Voici encore un autre message que j'ai envoyé, vocal que j'ai envoyé à sa sœur. Bonsoir, Jelika. Je comprends tout à fait que tu m'as tout exposé. Et comme moi, je t'ai dit, tu vois, c'est plus le temps de réfléchir et venir vers vous. Tu vois, j'ai trop mis mon énergie, j'ai déprimé, j'ai maigri tout, tu vois. Donc, c'est pas que je veux réfléchir et venir. À cet instant, je ne peux pas acheter des nouveaux billets d'avion. Même si vous ne voyagez pas aujourd'hui, c'est les tickets là sont finis, c'est mort. Est-ce que tu vois, je suis allé de tous nos engagements. J'ai tout fait pour qu'on travaille dans des bons thèmes, dans des bonnes conditions. Si maintenant, parce que vous êtes épuisé, vous ne pouvez pas voyager, il n'y a pas de souci. J'ai pris le rendez-vous de Sidiki déjà à l'ambassade pour mardi à 11h. Donc moi, je n'ai plus rien à dire. Je laisse tout entre vous, moi, et dans la main de Dieu. Bonne soirée. On m'a dit sa raison de ne pas voyager, c'est parce qu'il est épuisé. Il venait de rentrer de Bamako, donc il est épuisé, il ne peut pas voyager. Et ils sont restés sur leur décision sans voyager, parce que l'artiste est épuisé. Mais le lendemain, il est parti au palais présidentiel voir le président. Je vous fais écouter encore un autre message. Bonjour Jelika, j'espère que vous allez bien. À cet instant, je me retrouve dans l'obscurité, dans le noir. Je ne suis même pas capable de dire à mon partenaire que finalement, vous n'avez pas pris le vol de Bamako pour Paris. Ça fait plus d'un mois que moi et toi on parle et la première fois que j'ai parlé avec toi, tu m'as dit que tu veux voir les billets d'avion avant que Sidiki ne fasse la vidéo de confirmation. Je t'ai envoyé les billets dès le début et tu savais très bien que c'est Royal Air Maroc. Je ne comprends pas au jour d'aujourd'hui comment Ali va venir me faire comprendre que non, Sidiki ne voyage pas sur Air Maroc. Entre-temps, tu savais depuis que c'est sur Air Maroc que vous allez voyager.
De deux, j'ai un contrat avec toi. Et dans ce contrat, il n'y a pas un endroit où ça a été écrit que pour Sidiki de quitter l'Afrique pour l'Europe, ça doit être Air France ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas, rien n'est rédigé à ce niveau. Rien. Donc ça, c'est dans, j'ai l'habitude de travailler avec Air Maroc et la plupart de mes artistes voyagent avec Air Maroc et ils arrivent sans problème, sans complexe. Je t'ai montré les grands artistes de renommée qui ont travaillé avec, qui ont voyagé avec Air Maroc. Donc je ne comprends pas au jour d'aujourd'hui pourquoi on me fait comprendre que non, Sidiki dit que non, il ne voyage pas avec Air Maroc. Dans le contrat, on m'a pas dit le genre de compagnie qu'il veut utiliser pour voyager. Et tu savais très bien depuis un mois que c'est sur Royal Air Maroc que vous allez voyager. Au jour d'aujourd'hui, le rendez-vous. Bon, voilà. Non seulement ça fait plus d'un mois que j'envoie les billets d'avion de Bamako pour Paris, les billets d'avion Air Maroc. On me dit pas que Sidiki ne fait pas, ne voyage pas avec Air Maroc. C'est à la dernière minute, quand il refuse de voyager le premier jour, quand le dernier jour, le deuxième jour, il part faire le check-in, il rentre chez lui à la maison sans voyager. C'est là où on me dit que non, Sidiki veut un billet d'avion direct. Bamako, Paris, sans escale. Donc, dames et messieurs, je suis dans l'obligation d'acheter des billets d'avion qui n'étaient pas dans mon budget. Parce que j'ai un partenaire qui est Air Maroc, donc je n'ai pas fait un budget pour les billets d'avion parce que je savais que mon sponsor va me fournir les billets d'avion pour faire voyager Sidiki de Bamako à Paris. Donc maintenant, je suis dans l'obligation d'acheter des billets d'avion de mes propres frais. Ce qui n'était pas prévu dans mon budget. C'est là où les choses commencent à bâtiner. Je vais vous montrer. Voici le Western Union. J'ai envoyé l'argent pour le billet d'avion. Voilà ça. Vous allez voir le nom de la petite sœur de Sidiki Diabaté. Vous allez voir le montant. J'ai envoyé 3500 pounds pour les billets d'avion de Sidiki Diabaté, un billet business class et deux billets éco, comme stipulé dans le contrat, pour quitter Bamako pour Paris. Un montant, un argent qui n'était pas dans mon budget parce que mon sponsor m'a fourni des billets d'avion et eux, ils ont refusé de voyager avec ces billets d'avion. Ils quittent Bamako le mercredi pour Paris. Le mercredi dans la nuit. Ils arrivent à Paris le jeudi matin. Mais entre-temps, ce qu'ils oublient, c'est le fait que je payais des chambres d'hôtel déjà à Paris parce qu'ils étaient censés voyager le 18 matin à 2h du matin pour arriver à Paris lundi matin. J'ai payé la chambre. J'ai payé la chambre pour le 19 à Paris. Donc, j'ai payé deux nuits dans des chambres, dans des hôtels très, très chers à Paris pour que Sidiki descende sur Paris, fait sa demande de visa. Cet argent est parti dans l'eau. Donc, j'ai perdu l'argent pour les chambres d'hôtel à Paris payées. J'ai perdu l'argent pour payer les billets d'avion de Bamako à Paris. Ils arrivent à Paris jeudi matin. J'envoie tous les documents qu'il faut pour aller faire la demande de visa. Et je vous rappelle, les visas que j'ai fait pour eux, c'est d'abord les visas de travail. Et de deux, comme ils sont descendus à Paris tard, il faudra faire les visas express. Les visas express, dont les visas où on va leur donner le visa en 24 heures. Pour le visa express, ça coûte 1 113 € par personne. 1 113 € par personne. Voilà ce que j'ai payé pour M. Sidiki Diabaté et sa petite sœur. Elle a toutes les informations. Je peux imprimer, je mets sur mes pages. J'ai payé deux billets premium. Ça n'inclut pas les frais de visa. Donc, avec les frais de visa, ça monte à peu près 3 500 pounds.
deux visas premium de 1100 euros par personne et les frais de visa. C'est monté à peu près dans 3000, 3500 pounds. J'ai payé. Ils arrivent à Paris le matin, au lieu d'aller à l'ambassade, faire la demande de visa. Parce qu'avec le visa express, tu dois déposer avant midi. Si tu ne déposes pas avant midi, ils ne seront pas en mesure de te donner le visa le lendemain. Ils arrivent à Paris, ils partent à l'hôtel. Vous savez à quelle heure ils partent à l'ambassade pour faire la demande de visa? À 14 heures. Quand ils arrivent là-bas, les gens de l'ambassade les disent qu'à cette allure, ça sera impossible de leur donner le visa et leur passeport le lendemain parce qu'ils ne sont pas venus à temps. Le lendemain, c'est vendredi. Donc, on va leur donner le visa lundi. Or, le concert, c'est samedi. Le concert, c'est samedi. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? J'appelle la compagnie qui a fait le permis de travail. J'explique la situation à la compagnie. La compagnie appelle Sheffield. C'est là où on décide. C'est là où c'est le chef-lieu des visas de l'Angleterre. La compagnie appelle Sheffield. On explique à Sheffield le problème. Sheffield dit qu'ils vont revenir vers la compagnie. Sheffield revient et dit à la compagnie que ils ont contacté Paris et Paris va donner le visa de Siddiqui le lendemain matin. Que faut que Siddiqui part à l'ambassade le matin, le lendemain pour prendre son visa. Je communique ça à la petite sœur de Siddiqui. Le lendemain, ils partent à l'ambassade. L'ambassade refuse de donner son passeport et son visa. Ils disent qu'ils ont dit depuis hier que son passeport sera prêt que lundi. Or, le concert, c'est samedi. J'appelle la compagnie du permis de travail. La compagnie rappelle Sheffield, l'immigration, le bureau d'immigration des visas à Sheffield. Il présente le problème. Sheffield, maintenant, donne un mot de code. Sheffield sort un mot de code et donne à la compagnie pour que Sidiki prend le mot de code et parti à l'ambassade. Avec ce mot de code, on va donner le visa. Et j'ai le mot de code ici, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce mot de code. Voici le mot de code. Voilà ça. Chris Ray. Voilà ça. Voilà le mot de code. Chris Ray. Quand j'envoie le mot de code, ils partent à l'ambassade, on les remet le visa. Et j'ai le visa ici avec moi. Voilà le visa de Sidiki Diabaté. Ils sont partis, ils ont eu le visa vendredi. Mais entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand je signe le contrat de 10 000 euros avec M. Ali Castro, 2 semaines avant le concert, Sidiki refuse de faire la vidéo de confirmation. Il me dit à travers sa sœur que si je n'augmente pas le cachet à 15 000 euros, il ne vient pas. Si je n'augmente pas le cachet de 10 000 à 15 000 euros, il ne vient pas. Entre-temps, j'ai signé un contrat de 10 000 euros avec son manager, M. Ali Castro. Parce qu'il a vu que je suis déjà engagé dans cet événement, il est venu faire un chantage, genre, si tu ne montes pas le cachet de 10 000 à 15 000 euros, je ne viens pas. J'ai essayé de négocier, j'ai essayé de trouver une entente, rien. Si tu n'augmentes pas le cachet à 15 000 euros, on ne vient pas. À 2 semaines de cet événement, j'ai augmenté le cachet. Maintenant, dans le contrat, il est stipulé que quand Sidiki prend son visa à Paris, je dois lui solder 8 000 euros avant de venir en Angleterre. Je dois l'envoyer 8 000 euros avant de venir en Angleterre.
avec les dépenses imprévues, les billets d'avion que je n'avais pas programmés parce que je savais que mon sponsor m'a fourni des billets. J'ai eu des dépenses imprévues. Les chambres d'hôtel que j'ai payées à Paris, qui n'ont pas voyagé, cet argent est parti dans l'eau. Le lendemain, je devais envoyer 8 000 € avant qu'il vienne sur Londres. Je n'avais pas la totalité de ce montant. J'ai fait comprendre à son équipe que j'ai 6 000 €. Arrivé à Londres, je vais solder le cachet. Ils ont dit 8 000 € ou rien. 8 000 € ou rien. Je me suis battu. Ils m'ont donné le contact d'une dame qui est ici à Londres. Elle s'appelle Adja. On est parti avec les 8 000 € pour que Sidiki quitte Paris et vienne à Londres. Arrivé là-bas, la fille a perçu l'argent. Elle a appelé Paris pour confirmer à Sidiki et son équipe que les 8 000 € sont prêts. Sidiki a dit qu'il ne vient plus, qu'il faut que la fille rembourse l'argent et nous demande de sortir de sa maison. Et que lui, il a décidé de ne plus venir à Londres pour le concert du 23 juin. Voilà ce qui s'est passé. Cet événement a tourné en mal sur 3 choses. La première des choses, il fallait que Sidiki pas prendre son visa à Paris. Une décision exigée par son papa. J'accepte, je suis d'accord, ça m'arrange. De 2, je ne savais pas que j'étais censé payer les billets d'avion de Bamako pour Paris. Mais mon sponsor a accepté de faire les billets d'avion. On a changé les différentes dates à la guise de Sidiki et son staff. Ils ont refusé. Ils n'ont pas voyagé pendant les jours qu'ils ont choisis. Et après, ils m'ont obligé d'acheter les billets d'avion, ce qui n'était pas prévu dans mon budget. Un événement, c'est un budget. Pour faire un événement, tu as un budget. Et l'argent des billets d'avion de Bamako pour Paris n'était pas dans mon budget. Mais, quand cela ne tienne, je me suis battu. J'ai envoyé l'argent de ces billets d'avion. Voici ça. Voilà le reçu. Il a finalement eu son visa. J'ai fourni les 8 000 € comme ça a été prescrit dans le contrat dès le début à son contact ici. Il a refusé de prendre les 8 000 € qui ne viennent pas. Donc, dans cette histoire, il n'y a pas eu un problème de salle. Ceux qui sont partis à la salle, ils ont vu la salle était décorée. Moi-même, j'étais à la salle. Je suis parti dans la salle et j'ai fait une vidéo où j'ai envoyé à sa petite sœur. J'ai fait une vidéo étant dans la salle. Voici la vidéo. La salle. Je dis que voilà la salle. J'ai déjà payé la salle complètement. Voilà la salle, je dis que. Voilà la salle. Je dis que voilà la salle. Tout est déjà calé. Je vous en prie, pardon. Voilà. La salle. Je dis que voilà la salle. J'ai déjà payé la salle complètement. Voilà la salle, je dis que. Voilà la salle. Je dis que voilà la salle. Tout est déjà calé. Je vous en prie, pardon. Voilà. Voilà la salle. J'étais là le jour-là. La salle était déjà bel et bien décorée. Ils attendaient que la salle était prête pour tout le monde. J'ai envoyé cette vidéo à la petite soeur de Sidiki Diabaté pour demander pardon, de changer d'avis et venir pour le concert. Ils ont refusé catégoriquement et jusqu'à aujourd'hui, personne ne me répond. Donc, j'ai fait voyager l'artiste de Bamako à Paris avec mes propres frères. Ils ont voyagé, ils ont refusé les billets que mon sponsor a donné. J'ai payé les frais de visa premium, les frais de visa, ils ont eu leur visa à temps. Le visa de Sidiki, le visa de sa petite sœur, c'est dans leur passeport. Ils ne vont pas refuser cet aspect. Les 8 000 € qui devaient être soldés avant leur arrivée à Londres, j'ai donné à leur contact. Ils ont refusé qu'ils ne veulent plus ces 8 000 €. Ils ont décidé de rester à Paris et de ne pas venir. Voilà ce qui s'est passé. Et à part ça, j'ai signé un contrat de 10 000 € avec M. Ali Castro Traoré, le manager de Sidiki Diabaté. Partez sur sa page Instagram.
Partez sur la page Instagram de Sidiki. Vous allez voir le numéro de contact de ce monsieur, l'adresse email de ce monsieur. On a signé un contrat de 10 000 avec l'accord de son papa. Et Sidiki, deux semaines avant le concert, il revient vers moi pour me dire qu'il veut 15 000 euros ou rien. Si vous êtes à ma place, vous faites comment? Vous avez déjà payé la salle. Vous avez communiqué. Vous avez déjà un partenariat de sponsoring avec des grandes sociétés. Vous faites comment? J'ai adhéré. J'ai adhéré pour ma crédibilité, même pas pour se faire de l'argent. Parce que les dépenses étaient déjà énormes. Donc, j'ai décidé de partir au bout pour au moins préserver ma crédibilité, mais pas pour se faire de l'argent. Et j'ai signé ce contrat de 15 000 euros. Ils arrivent à Paris, ils prennent le visa, je donne les 8 000 euros à leur contact, ils refusent de venir. Je fais quoi? Je fais quoi? Entre-temps, il y a l'artiste camerounais Loco, mon jeune frère, son manager en ligne, j'ai vu son manager en ligne, monsieur Paul Hervé, il est là, je le salue. Salut Paul, j'espère que tu vas bien. Je signe un contrat avec monsieur Paul Hervé, le manager de Loco, pour deux concerts en Angleterre. Ça, c'est le côté de Loco. Je signe deux concerts en Angleterre avec Loco. Le 23 juin à Londres et le 30 juin à Birmingham. On tombe d'accord. Il m'envoie tous les documents pour faire le permis de travail. Je fais le permis de travail de l'artiste Loco. Ça sort, je l'envoie à l'ambassade pour faire sa demande de visa. Deux semaines avant le concert, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, c'est facile de s'asseoir, critiquer les gens, insulter les gens, insulter un promoteur, mais vous ne savez pas la souffrance, le stress que le promoteur est en train de traverser. J'ai fait 2 mois dans la galère, dans le stress, dans le désert, 2 mois. Je n'ai pas dormi pendant 2 mois. J'avais peur de mon téléphone pendant 2 mois parce que chaque jour, c'était des problèmes à problème. Problème à problème. Mais j'ai été optimiste. J'ai été confiant que malgré tout ça, tout va rentrer dans l'ordre. Voici le mail que le staff de Loco m'envoie. J'aimerais que vous lisiez ensemble. Regardez la date. Je signe un contrat de 2 dates avec Loco. Le 23 et le 30 juin, 10 jours avant son arrivée à Londres, on m'envoie le mail là pour annuler le concert du 30 juin. Mais ce qu'ils oublient, c'est quoi? On a signé ce contrat depuis février. J'ai signé ce contrat depuis février. Je viens à Birmingham moi-même. Je paye une première salle qui coûte 5000 pounds. Je donne un dépôt pour cette salle qui doit normalement fermer à 2h du matin. Mais les gens de la salle me disent que ils peuvent faire une demande d'extension. Donc, au lieu de fermer à 2h, ils peuvent faire que le concert parte jusqu'à 5h du matin. Donc, ils vont faire la demande d'extension
pour que le concert du 30 juin termine à 5 heures. Je donne un dépôt. Un mois avant le concert, la salle m'appelle qu'on a fait ta demande de extension, mais dommage, la mairie a refusé de faire le extension, d'augmenter les heures d'ouverture de la salle. Dans ce cas, nous, on ne pourra pas te rembourser, mais la salle est à ta disposition jusqu'à 2 heures du matin. J'ai dit, je suis désolé, je ne pourrai pas amener un artiste de l'envergure de Monsieur Loco et finir le concert à 2 heures du matin parce que mon public vient d'abord dans les concerts très tard. Donc, l'argent de la première salle, j'ai perdu cet argent. Je reviens sur Birmingham, je n'ai pas payé une deuxième salle. Il y a les affiches qui circulent avec l'adresse de la salle. Vous pouvez les appeler, vous allez demander. Je paye une deuxième salle et je me lance dans la communication de l'événement. Et 10 jours avant sa tournée, on m'envoie ce message pour annuler le concert du 30 juin 2018. J'ai payé deux salles. La première salle, la deuxième salle. Qui va me rembourser? L'artiste annule la date du 30. Non seulement il annule la date du 30, il ne me dédommage pas. Il ne me dit pas, il ne me donne pas une solution comment je vais récupérer l'argent que j'ai dépensé. Il ne me dit pas comment il va me dédommager. Il me dit carrément et net qu'il ne pourra pas faire la date du 30. Entre-temps, j'ai payé la salle. Deux salles différentes. L'argent est parti dans l'eau. Qui me rembourse? Qui me rembourse? Qui me rembourse pour la salle que j'ai payée à Birmingham? Et pourtant, on a un contrat de deux dates. On a un contrat du 23, on a un contrat du 30. Tu annules le 30. J'ai déjà payé la salle. Qui me rembourse? Et il me dit catégoriquement que si je ne veux pas qu'il annule le 30, il sera dans l'obligation de ne pas honorer le rendez-vous du 23, qu'il s'agit de sa carrière. Entre-temps, je suis devant les faits accomplis. Qu'est-ce que je fais? Je prends la décision de faire venir Loco pour le concert du 23. Voir au moins si, en annulant le concert du 30, je pourrais entrer dans mes frais. Mais il y a un problème. Dès le début de cet événement, j'ai commencé à communiquer sur deux artistes, pas sur un artiste. Je communique sur deux, pas un. C'est vrai que Sidi qui a déjà pris la décision de ne pas venir, mais Loco est sur place. Maintenant, les tickets sont à 40 pounds. Je n'ai pas voulu prendre le risque de faire payer, de faire que les gens paient les tickets, venir au concert et ne pas voir Sidi qui Diabaté. Parce que je sais comment ça fait mal. Ça dépasse l'escroquerie. Que quelqu'un va quitter de Glasgow, payer son train, payer son hôtel, venir à Londres parce qu'il vient voir son artiste qui s'appelle Sidiki et arriver à la salle, il paye le ticket et il ne voit pas l'artiste en prestation ce jour. Est-ce que vous pouvez imaginer comment ça fait mal? Hormis cela, j'étais dans un stress énorme. À la dernière minute, j'ai craqué. J'ai craqué. La seule décision, la seule solution était pour moi d'annuler le concert. Parce que à la base, les deux artistes n'ont pas respecté leurs engagements vis-à-vis de moi. Le premier artiste, Sidiki Diabaté, n'a pas respecté son contrat avec moi. Dans le sens où le premier contrat de 10 000 euros signé avec M. Ali Kassro n'a pas été respecté. Ils m'ont exigé avec un cachet de 15 000 euros. Je me retrouve d'un cachet de 10 000 à 15 000 euros. Donc, un budget, je me retrouve avec les budgets qui augmentent quand dans mon budget personnel, ce n'était pas prévu. Je me retrouve en train de payer des billets d'avion de Bamako à Paris de mes propres faits, dans mes propres poches, quand ce n'était pas prévu. Malgré tout ça, je paye les billets, il descend à Paris, je fais tout. Je vais vous écouter le film,
Le film qui s'est passé le jour de prendre le visa à Paris, c'était un film entre moi et sa petite sœur. C'était un film pas possible. Et je vais vous faire écouter ça. Jelika, écoute-moi, Jelika. Je vis en Angleterre. Jelika, j'ai dit à Napoléon que c'est mieux de mettre rendez-vous à demain matin. Et Napoléon, il n'y a rien qui est prêt ici. Tu nous envoies des documents, ils nous en manquent plein. Ils nous ont des documents. Nous, on va partir tout de suite là. Tu me dis, à partir de midi, c'est mort. Moi, je vais partir. On n'a pas de quoi imprimer là-bas. Quand tu vas m'envoyer les documents, moi, je vais imprimer comment? Dis-moi comment je vais imprimer, Napoléon. Dis-moi. Si tu as une solution tout de suite pour m'envoyer tous les documents, il est 11h02. Entre-temps, j'ai envoyé les documents à la veille. Elle était à Bamako. J'ai envoyé les documents. J'ai dit, pas imprimé avant de voyager sur Paris. Elle n'a pas imprimé. C'est le matin à Paris qu'elle me demande comment elle va imprimer ça. Tu vois? Écoutez. Et Napoléon, il n'y a rien qui est prêt ici. Je suis au téléphone, j'appelle l'hôtel, il ne décroche pas. Il faut dire à le monsieur de décrocher la personne. Et Napoléon, c'est pas un marché là-bas. C'est pas le marché. Ils ne vont jamais accepter d'imprimer mes documents s'ils ne sont pas imprimés. Tu arrives avec tes documents prêts. Moi, je n'ai pas de documents prêts. Je n'ai aucun document prêt. C'est-à-dire que là même, on va dans le flou parce que normalement, quand on va à l'ambassade, normalement, on doit avoir une imprimée et répondre à des. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que à l'ambassade, tu peux imprimer, mais tu payes 50p. Je ne sais pas comment on appelle ça en euros. 50p par page. Donc, j'ai envoyé tout dans son mail. J'ai dit à la fille qu'arrivé à l'ambassade, tu peux imprimer ça là-bas. Mais elle ne sait pas. Elle discute toujours sur des histoires qu'elle ne sait pas comment ça se passe. Voilà mon message. Une imprimée et répondre à des critères. Donner des feuilles. Mais nous, on n'a aucune feuille pour nous dire quel papier amener. Et du coup, on n'est pas dû. Là, il est 11h. Tu lui dis qu'on a rendez-vous à 11h. Il est 11h. On n'a même pas les papiers qu'il faut. Comment on va y aller? Ils ne vont pas accepter de nous prendre. OK. Elle a tous les documents dans son adresse email. Voici. Napoléon. Jelika, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Si vous ne partez pas aujourd'hui, il n'y a pas de visa demain. Moi, je fais cette procédure pour les artistes. Si vous ne partez pas aujourd'hui, il n'y a pas de visa. Déjà, tu as tous les documents de Sidiki. Tu peux déjà commencer à partir avec Sidiki. Et je vois si je peux, comment je vais te programmer pour l'après-midi. Pas d'abord avec Sidiki, s'il te plaît. Parce que si vous ne partez pas, demain c'est mort, il n'y a pas de visa demain. J'ai envoyé tous les documents pour Sidiki. C'est lui qu'on attend à Londres. Les documents importants, elle devait déjà se diriger vers l'ambassade avec Sidiki, avec tous les documents que j'ai envoyés. À cet instant, j'étais en train de remplir son application de visa. Donc, en partant à l'ambassade, elle allait aussi avoir son application de visa où elle devait imprimer là-bas et faire la demande de visa sur place parce que j'ai payé pour le visa premium. Avec le visa premium, tu payes juste 80€ et on te reçoit sur place. Donc, tu n'as pas, même si tu as payé, même si tu as choisi la date du 30, mais quand tu viens sur place, tu payes 80€, on te reçoit. La date du rendez-vous ne dit rien absolument. Je vais vous faire écouter ça. Napoléon, aujourd'hui, si on y va, ça ne va pas marcher. Crois-moi ou ne me crois pas, si on y va aujourd'hui, on n'aura pas de visa. Je te dis, demain, on va aller. Tous les documents sont complets. On dépose les documents, on dépose le visa, on y va. Et le matin, le 23 au matin, on récupère les visas et on prend l'avion pour aller. Angleterre, France, c'est 1 heure d'avion. 1h30, voire 2 heures. Moi, je pense que c'est la solution. Si tu peux pas faire ça aussi, ça va être compliqué. Très compliqué. Ici, elle me demande de faire la demande de visa que demain, le lendemain, vendredi, c'est mieux. Mais ce qu'elle oublie, c'est quoi? Avec le visa premium, il faut faire la demande à la veille, avant midi. Il faut faire la demande à la veille avec le visa premium, avant midi, pour avoir le visa le lendemain. Si tu pars le jour, si elle partait le lendemain, vendredi, pour faire la demande, ça veut dire qu'on allait leur donner les visas que lundi.
Et si c'est lundi, ça veut dire que le conseil est mort. Et voici ma réponse. Moi, je fais ton application maintenant. Écoute-moi, Jenica, je vis en Angleterre, je fais venir beaucoup des artistes. Ça, c'est une procédure, on donne le visa en 24 heures. Vous partez déposer aujourd'hui, demain, on donne le visa. Moi, je connais comment je fais mes choses. J'ai envoyé tous les documents d'abord. Je t'ai envoyé les documents de Sidiki que tu mets à part. J'ai envoyé l'application de visa que Sidiki va signer. Je t'ai envoyé ça. J'ai envoyé son assurance médicale. Tu imprimes, tu mets de côté. J'ai envoyé tous les documents. Tout ce qu'il faut, c'est déjà avec toi. Pour Sidiki déjà. Pour toi, je suis en train de remplir ça maintenant. Ce n'est pas question de partir à l'ambassade demain. Si vous partez demain, il n'y a pas de visa. C'est ce que je t'explique. Si c'était le cas, je n'allais pas payer vos billets d'avion de quitter Bamako hier soir. Si vous partez demain, c'est mort, il n'y a pas de visa. C'est à la veille. On ne donne jamais le visa le même jour. On ne donne jamais le visa le même jour. Jamais. Tu déposes à la veille, comme c'est express, le lendemain, tu peux prendre le visa. On ne donne jamais le... On n'est pas en Afrique ici, Jelika. Il y a une procédure. On donne le visa, tu donnes aujourd'hui, demain on te donne le visa. Tu ne peux pas déposer le même jour et on te donne le visa le même jour. Ça ne se passe pas comme ça. Cette procédure, je connais. Je t'ai envoyé tous les documents pour Sidiki. Je t'ai envoyé ces documents d'abord étant à Bamako, aujourd'hui, hier. Tu imprimes pour Sidiki son permis de travail, réservation d'hôtel, la salle du concert. Tout ça, tu imprimes, tu mets de côté. Maintenant, ce matin, je t'ai envoyé l'application de son visa. Cette application, il doit seulement signer. Tu mets de côté. J'ai envoyé l'assurance médicale. J'ai envoyé la confirmation du rendez-vous à l'ambassade. C'est tout. Tu pars seulement avec 80 euros. On vous reçoit maintenant. On met l'application en marche pour que le visa soit demain. Si vous partez demain, c'est fini. Si tu attends demain, il n'y a pas de visa demain. Ça, moi, je t'assure à 200%. J'ai fait venir beaucoup d'artistes en Angleterre avec les visas de travail. Je t'ai envoyé le visa de travail de l'artiste camerounais. On lui a déjà donné le visa. Cette procédure, je la connais. Le 23 que tu dis que tu vas prendre le visa, c'est un samedi matin. Il ne travaille pas les samedis. Il y a quel bureau de travail de visa qui travaille samedi, Jenica? Quand même. Ça fait plus de 3 semaines que je ne dors pas chaque jour. Toute la nuit, je suis sur ton application. Si vous ne partez pas aujourd'hui, c'est fini. Samedi, il ne nous veut pas. Samedi, les bureaux sont fermés. Elle voulait faire la demande. Elle voulait partir plutôt vendredi, faire la demande de visa. Et elle se disait que samedi matin, elle va aller prendre le visa. Mais elle oublie que samedi, c'est un week-end. Les bureaux de visa n'ouvrent pas le samedi. J'ai entendu Napoléon dans ce cas, mais le rendez-vous l'après-midi. Parce que j'ai envoyé Philippe prendre les photos. Et donc pendant ce temps, essayez de voir de finir mon application. Parce que crois-moi, même si Philippe a le visa, il ne va pas partir seul en Angleterre. Ça, c'est sûr. Il n'ira pas seul. Même si moi, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, il n'ira pas seul en Angleterre. Crois-moi. Donc, mets notre rendez-vous l'après-midi. Et pendant ce temps, moi, il est parti prendre les photos et puis bon, c'est bon. Ok. Vous avez écouté? Un artiste qui quitte Bamako pour Paris pour faire la demande de visa, c'est le jour de rendez-vous qui quitte sa chambre d'hôtel pour aller faire les photos de passeport. Il quitte l'hôtel le jour du rendez-vous à l'heure où il doit être à l'ambassade. C'est à 7h qu'il quitte sa chambre d'hôtel pour aller faire les photos de passeport. Il quitte sa chambre d'hôtel pour aller faire les photos de passeport. Et il revient une heure après. 1h30 après. Je vous demande d'écouter ça encore. J'ai entendu Napoléon dans ce cas, mais le rendez-vous l'après-midi. Parce que j'ai envoyé Philippe prendre les photos. Et donc pendant ce temps, essayez de voir de finir mon application parce que crois-moi, même si Sidiki a le visa, il ne va pas partir seul en Angleterre. Ça, c'est sûr, il n'ira pas seul. Même si moi, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, il n'ira pas seul en Angleterre. Crois-moi. Donc, mets notre rendez-vous l'après-midi. Et pendant ce temps, moi, il est parti prendre les photos et puis bon, c'est bon.
Moi, je fais ton application maintenant. Pas descends en bas, tu vas imprimer tout. Je fais ton application. Quand tu imprimes tout, cherche le temps, tu m'appelles. Je vais t'expliquer comment ça va se passer. Il faut que vous partez là-bas d'ici 13 heures. Il est 11h30. Il faut que vous soyez là-bas d'ici 13 heures. Je t'en prie. J'ai fini ton application. Je t'envoie maintenant. Tu imprimes. J'envoie tous tes documents, assurance, tout. Tu me mets de côté. Tu m'appelles calmement. On parle calme. On ne doit pas se prendre la tête. L'argent de l'hôtel, ce n'est pas un souci. On se parle calmement. Je vous envoie. Demain, on va vous donner ces visas. Je connais ce que je fais. Merci. Bon, passe sur ton mail. Je t'ai envoyé la confirmation de rendez-vous la copie du passeport de la personne qui t'invite en Angleterre. Je t'ai envoyé 3 mails différents. Imprime tous les 3 mails. Ce que je vais faire maintenant, je vais payer. Non, tu n'as pas besoin d'assurance médicale. Donc c'est bon. Je vais payer maintenant le service exprès du visa. Je vais payer le service exprès du visa. Je t'envoie la confirmation. Maintenant, quand vous allez arriver à l'ambassade, comme c'est express, il n'y a pas de souci. Vous allez payer chacun 80 euros. Ils vont vous recevoir. Parce que si tu regardes sur les deux applications, les dates de rendez-vous sont différentes. Donc, pour qu'il accepte votre rendez-vous aujourd'hui, il faut payer 80 euros chacun. Voilà pourquoi hier, quand je t'ai envoyé le transfert de l'argent pour les billets, je t'ai dit, il faut enlever 160 euros, tu mets de côté. C'est pour cela. Donc, je t'envoie le mail du Visa Express que je vais payer maintenant. Après ça, moi et toi, on va aller sur les documents, sur chaque document, et vous allez aller déposer. Ok, Jerika, j'ai envoyé la confirmation du premium pour le visa. Donc, le visa de 24 heures, je t'ai envoyé ça en mail. Je vais envoyer ton application de visa maintenant. Tu vas imprimer, tu signes. J'espère que tu as déjà imprimé pour Sidiki. Il signe aussi. Tu vois, après ça, maintenant, je te rappelle et je vais t'expliquer comment tu vas positionner les documents. Donc, tiens-moi informé dès que tu imprimes tout. Il est déjà midi à Paris. Je veux que vous soyez à l'ambassade à 13 heures au plus tard. 13 heures. Parce que si vous perdez le temps, demain c'est mort. Il y a trop d'argent qui est déjà entré dans cette affaire. Donc ça ne sera pas du tout bon si vous ne prenez pas le visa. Vous ne réussissez pas à déposer aujourd'hui. Et donc on vous donne le visa demain, s'il vous plaît. Est-ce que, écoutez attentivement, hein. Ça c'est le film du jour du visa à la veille, dans le jeudi. Le film. Jerika, si vous ne déposez pas aujourd'hui, c'est mort. Tu vois, c'est mort. C'est mort, complètement, c'est mort. Si vous ne déposez pas aujourd'hui, c'est mort. S'il te plaît, il est déjà 12h30. À Paris. Essayez d'être là-bas avant 13h30. Je vous en prie, je vous en prie. Ayez au moins pitié de moi. Je vous en prie. Jerika, c'est chaud. Je viens de regarder le bureau, la ferme à 14h. Donc, il est déjà midi 30 à Paris. Jerika, si vous ne déposez pas aujourd'hui, c'est mort. Tu vois, c'est mort. C'est mort, complètement, c'est mort. Si vous ne déposez pas aujourd'hui, c'est mort. S'il te plaît. Il est déjà 12h30 à Paris. Essayez d'être là-bas avant 13h30. Je vous en prie. Je vous en prie. Ayez au moins pitié de moi. Je vous en prie. J'ai envoyé tous les documents qu'il faut. Et les preuves de visa premium pour toi et Sidi qui sont là. Donc, il faut juste imprimer, vous partez là-bas le plus tôt possible. Je vous en prie. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Si aujourd'hui, pas, c'est mort. C'est fini complètement. Je suis épuisé où je suis là. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Donc, c'est la seule bonne nouvelle que j'attends maintenant.
s'il te plaît. Jenica, ce que vous pouvez faire aussi, je pense qu'il y a le lobbying qui peut entrer dans cette affaire. Malgré tout ça, ils sont partis pour faire la demande de visa le jour-là à 14h. Or, pour avoir le visa le lendemain, il faut faire la demande avant midi. Ils sont partis à 14h et là-bas, on a dit à M. Siliki Diabaté et sa petite sœur que nous sommes désolés, on ne sera pas en mesure de vous donner vos visas et vos passeports le lendemain vendredi. Vos passeports et vos visas seront prêts que lundi. Or, le concert, c'est le samedi 23 juin. Mais Dieu merci, j'ai activé le lobbying et ils ont eu le visa à temps. Sa petite soeur a eu le visa, le grand frère Sidiki a eu le visa. Il devait quitter Paris même le vendredi. Sa petite soeur a refusé que non. Il préfère quitter Paris le samedi, le jour du concert. Le jour du concert, avec les dépenses imprévues, j'étais censé les verser 8000 euros. Mais avec les dépenses imprévues, les billets d'avion, les ça, je n'avais pas les 8000 euros complets. Ils ont refusé de récupérer les 6000 euros que j'ai proposés. Je me suis battu jusqu'au bout. J'ai eu les 8000 euros. Je suis parti avec les 8000 euros à leur contact. Moi et mes gars, moi et mes partenaires, on est parti au domicile de leur contact à Dulwich, ici à Londres. Quand elle a récupéré l'argent, elle a dit à Sidiki à Paris que les 8000 euros sont là. Et à cet instant, le monsieur dit que j'ai pris la décision de ne plus venir au concert. Rembourse l'argent et demande à ces messieurs de sortir de ta maison. Voilà ma dernière conversation avec Sidiki. Voilà ce qui s'est passé à la dernière minute avec Sidiki Diabaté. J'ai tout fait ce qu'il fallait. J'ai tout fait. On signe un contrat, 10 000, ça monte en 15 000. Air Maroc me donne les billets. Vous changez le 16, tantôt vous venez changer le billet du au 17, je change. Vous me demandez de changer au 18, je change. Vous me demandez de changer au 19, je change. Le 19, vous partez à l'aéroport tard, la place business class de Sidi qui est vendue. Néanmoins, on réussit à vous convaincre. Vous partez, vous faites les check-in et après vous décidez de rentrer chez vous à la maison et vous obligez au promoteur de payer les nouveaux billets d'avion de Paris, de Bamako à Paris. Or, il n'a pas mis un budget pour ça, parce qu'il savait que son sponsor lui a fourni des billets d'avion. Mais quand cela ne tient, j'ai envoyé 3500 pounds pour les billets d'avion de Bamako à Paris. Et ils ont voyagé pour Bamako à Paris. Et je vous ai expliqué le film qui s'est passé le jour du visa. Et Dieu merci, ils ont eu leur visa à temps. Ils ont eu leur visa à 15h de Paris, le vendredi 22 juin. Le lendemain, j'ai tout fait pour mettre à leur disposition les 8000 euros qui est stipulé dans le contrat. Les 8000 euros qui est stipulé dans le contrat. Et je suis parti avec ces 8000 euros à peu près 17h, 18h exactement, heure de Londres. Et dans le contrat, on n'a pas stipulé une heure précise de reverser les 8000 euros. Il n'y a pas d'heure. S'il m'avait demandé d'envoyer les 8000 euros par Western Union, j'allais comprendre que je n'ai pas envoyé l'argent à temps et les bureaux de Western Union sont fermés. Mais eux, ils m'ont donné un contact ici à Londres de verser les 8000 euros. Et je suis parti avec l'argent au contact. Le contact a pris l'argent et ils ont demandé au contact de rembourser l'argent et qu'ils ont pris la décision de ne pas venir. Maintenant, pour le cas de Loco, je signe un contrat de deux dates avec Loco. Loco revient vers moi 10 jours avant la tournée. Il annule le contrat du 30 juin. Entre-temps, j'ai payé les salles à Birmingham. Les affiches sont là. Je peux mettre les affiches sur ma page Facebook. Donc, pour conclure, dames et messieurs, j'ai eu la malchance de signer les contrats professionnels avec des artistes qui ne sont pas bien structurés, avec les artistes qui ne sont pas bien entourés. Moi, je ne les en veux pas et je ne fais pas cette vidéo pour nuire à leur image. Non, c'est mes petits frères, c'est mes jeunes frères. Ils n'ont que 26 ans. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est le fait qu'ils ne sont pas bien entourés. Ces deux artistes ne sont pas bien entourés, ils ne sont pas bien encadrés. Imaginez-vous un artiste comme Sidiki Diabaté
est dirigé par une petite fille de 22 ans. C'est une petite fille de 22 ans, Madame Jelika, sa petite sœur, qui s'occupe de lui. Vous pensez que une petite sœur de 22 ans, la petite sœur de Sidiki, peut donner les instructions à son grand frère va écouter? Vous pensez que cette petite fille a le pouvoir, a les moyens de mettre son grand frère devant les frères accomplis, de mettre son grand frère devant ses responsabilités? Une petite fille de 22 ans qui ne sait pas, qui ne connaît pas l'univers du showbiz, comment les contrats se passent. Elle ne connaît même pas comment pour faire pour avoir des visas. Elle te donne des informations qu'elle ne maîtrise même pas. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Voici. 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 Regardez. 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 Ça, c'est une petite fille de 22 ans. Une petite fille de 22 ans, petite sœur de l'artiste. Vous attendez, vous espérez que cette petite fille va dire à son grand frère, va donner des instructions à son grand frère et le grand frère va l'écouter. Mais jamais dans la vie. Jamais. Donc, pour conclure, j'ai signé deux artistes qui ne sont pas bien structurés. J'ai signé deux artistes qui ne sont pas bien managés par leur manager. Ils ont autour d'eux personne qui peut influencer leur carrière positivement. Je signe un contrat de 10 000 euros avec le manager. On me demande 15 000 euros. J'appelle ce même manager. Je lui dis, monsieur le manager, ton artiste m'oblige de payer 15 000 euros. Le manager me dit, frère, franchement, je ne sais pas quoi dire. Ça me dépasse. Essaie de négocier. Donc, il me laisse dans la merde totale. Il me laisse dans la merde totale. Le manager dit, non, ça le dépasse. Maintenant, je suis moi le promoteur. Je suis à la guise de l'artiste. Et l'artiste, lui, s'en fout. C'est à prendre ou à laisser. Tu prends les 15 000 ou pas? Tu acceptes? Je signe, je fais la vidéo, je t'envoie. Si tu n'acceptes pas, oublie, je ne viens pas à Londres pour le concert. Entre-temps, j'ai payé la salle. Entre-temps, j'ai injecté l'argent dans la communication. Entre-temps, j'ai signé un contrat avec Air Maroc. J'ai signé un contrat avec System Chakap que je dois respecter ma part d'engagement de ces contrats. Qu'est-ce que je fais? J'étais obligé d'accepter le cachet de 15 000 euros que l'artiste a proposé. Voilà un peu ce que j'ai traversé. J'ai fait 2 mois sans bien dormir, 2 mois sans bien manger, 2 mois dans le doute total, 2 mois dans l'obscurité totale, jusqu'à la dernière minute que mes deux artistes ont eu le visa. La chose la plus difficile pour qu'un artiste ait le visa de travail en Angleterre, ce n'est pas évident. Si vous pouvez constater, il y a beaucoup d'artistes qui ne viennent pas ici pour des spectacles. Pourquoi? Parce que pour avoir l'accès de visa, c'est difficile. C'est tellement difficile. Mais j'ai gagné ce pari. Ils ont tous les deux eu le visa. Même si je n'ai pas soldé le cachet avant qu'il quitte Paris, au moins, avec tous les efforts que j'ai mis en place, il pouvait au moins voyager, venir sur Londres, se fermer dans sa chambre d'hôtel. Si je ne solde pas son cachet, il ne part pas au concert. C'est simple. Tu viens sur place. Si tu n'as pas tout ton cachet, tu ne pars pas au concert. On est dans un pays de droit. On est dans un pays qui respecte la loi. À l'hôtel, personne ne va te bousculer, personne ne va te bagarrer. L'hôtel va veiller à ta sécurité. Si l'hôtel ne veille pas à ta sécurité, c'est ton droit de porter plainte contre cet hôtel et l'hôtel va te dédommager. L'hôtel va te dédommager. La moindre des choses, c'est de se déplacer. Tu viens dans la ville, tu fermes ta chambre d'hôtel, tu donnes les instructions à ton manager. Monsieur le manager, si mon cachet n'est pas soldé,
je ne sors pas de ma chambre d'hôtel. Maintenant, c'est au promoteur de mettre l'argent pour remettre à ton manager pour que tu pars au lieu du concert. Si l'argent n'est pas complet, tu ne sors pas de ta chambre d'hôtel. Personne ne va rien te faire. Personne. Mais il a catégoriquement refusé de voyager. Catégoriquement refusé. Et moi, je n'ai pas voulu organiser un concert avec un artiste quand, dès le départ, j'ai annoncé deux artistes pour un concert le 23 juin. Ça sera comme si j'ai arnaqué les gens. Ça sera comme si j'ai joué sur l'intelligence des gens. Or, à part ça, je ne devais pas être dans tous mes états psychologiquement. Parce que je pense que être un promoteur est une passion. C'est la passion. Et pour exercer cette passion, il faut être psychologiquement bien dans la tête. Le jour de ton événement, c'est le jour que tu dois être content. Tu accueilles des gens qui viennent à ton événement avec une bonne mine, avec un bon état d'esprit. Mais je ne me voyais pas recevoir les gens le jour du concert avec une mine bizarre, triste. J'ai fait deux jours avec les mêmes habits sur moi. Même si je devais faire ce concert le 23, je n'avais même plus le temps de rentrer chez moi, me changer, m'habiller. Parce que le monsieur a pris la décision d'annuler son arrivée pour ce concert à 18h de Londres. Voilà pourquoi j'ai pris la décision d'annuler ce concert. J'ai tout fait ce qu'il fallait faire. J'ai tout fait. Je me suis battu. Ils le savent. Ils le savent. Et j'ai envoyé un dernier message à sa petite sœur. J'ai envoyé un dernier message et je veux vous demander, dames et messieurs, d'écouter le dernier message que j'ai envoyé. Et jusqu'à présent, elle ne m'a pas répondu. Jenny, quand j'ai reçu, j'ai compris, vous n'allez plus jamais travailler avec moi, c'est noté. Mais une chose est sûre, si tu sais que vous êtes dans vos droits, vous avez raison. Faites le live et expliquez à votre public ce qui s'est réellement passé. Parce que jusqu'à preuve du contraire, votre image est en jeu, hein. Votre image est en jeu. Expliquez, faites le live, expliquez. Pourquoi vous n'êtes pas venu en Angleterre? À cet instant, moi aussi, je vais expliquer comment je me suis retrouvé à un cachet de 15 000 euros après avoir signé un contrat avec M. Ali Kassro, qui est le manager attitré de Sidiki Diabaté. Son contact, son adresse, il met sur toutes les pages. J'ai les photos d'écran de tout ça. J'ai mes conversations avec lui. Ce même Ali Kassro qui a signé beaucoup de contrats récemment pour les tournées de Sidiki en Europe. Donc, je signe un contrat de 10 000. Ton frère vient, il change, il dit il veut 20 000. Le chantage. Mais parce que je me suis engagé, j'ai adhéré. Et le problème n'est même pas là-bas. Le problème est au niveau où mon sponsor vous donne les billets d'avion. Vous refusez de voyager catégoriquement. Catégoriquement. Sans aucune raison précise. Pas de raison. Et vous m'obligez de payer les billets directs de Bamako à Paris. Je t'ai envoyé l'argent, tu sais combien ça a coûté. Imagine cet argent. Cet argent était censé payer votre cachet. Mais vous m'avez obligé de dépenser cet argent pour votre confort personnel, Jerika. Pour votre confort personnel, vous n'avez pas pensé à le promoteur. J'ai dépensé beaucoup d'argent. La salle, tout, tout, tout. Au jour d'aujourd'hui, mon image est salie. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais tout ce que j'ai à te dire, c'est quoi? Si tu sais que vous êtes dans vos droits, faites un live. Expliquez ce qui s'est réellement passé du début à la fin. À cet instant, moi aussi, je vais t'expliquer avec des papiers, avec des documents, preuve à preuve, et on saura qui a tort et qui n'a pas tort. Vous m'avez demandé de remettre l'argent à votre contact ici. Je suis parti remettre l'argent. Vous avez refusé de ne plus prendre cet argent. Et vous ne venez plus en Angleterre. Donc, qui n'a pas respecté son contrat? Est-ce qu'il y avait sur le contrat, il y avait une heure précise de verser l'argent avant que vous venez? Il n'y avait pas écrit une heure précise. Ce qui était convenu, dans les 8 000 euros, on vient. C'est ce que j'ai fait. Vous avez refusé de venir. Donc, si tu sais que vous êtes dans vos droits, faites la vidéo, expliquez au public. C'est ce que tout le monde attend. Tout l'Angleterre attend. Jusqu'à présent, les gens m'appellent, mais il n'a pas communiqué, il ne s'est pas expliqué. Expliquez. Et moi, je vais aller dans les coulisses, du début à la fin. C'est tout. Je vous souhaite tout le bonheur
que Dieu vous bénisse. Mais c'est pas grave. Je suis content parce que tu es mère d'un enfant. Tu as mis au monde un enfant. Est-ce que tu vois un peu? Tu as mis au monde un enfant et je ne prie pas, je ne souhaite pas du mal à cet enfant. Mais tout ce que what goes around comes around. What you do unto others, expect others to do it unto you. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je me suis battu pour vous, pour cette histoire. Tu as vu, même quand tu ne croyais pas, tu donnais des informations que tu ne connais pas. Mais jusqu'à la dernière minute, le visa est sorti. Le visa est sorti à cause du lobbying. Malgré que vous êtes parti à l'ambassade, seulement pour ça. Seulement pour ça. Toi et ton frère, allez au moins apprécier tous les efforts que j'ai faits. Arrivez ici, si le cachet n'est pas soldé, vous ne sortez pas de votre chambre d'hôtel. On est dans un pays de droit, on n'est pas en Afrique ici. On est en Europe, en Angleterre, où la loi est respectée, où l'hôtel va veiller à votre sécurité. Si vous n'êtes pas soldé, vous ne sortez pas de l'hôtel. Simple que ça. Mais il y a eu trop de méchanceté dès le départ de cette histoire. Trop. Même Saoul. Je me rappelle, j'ai appelé Saoul. Saoul était triste. Il était triste. Il m'a dit que c'est incroyable. C'est incroyable. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est moi qui marche sur la banane. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Je vous souhaite tout le bonheur, Jelika. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà mon état d'esprit actuellement. Dieu a voulu que ça se passe ainsi et je laisse tout entre les mains de Dieu. Mais je jure sur ma vie, sur la vie de ma mère, j'ai tout fait pour que cet événement ait lieu. Tout. J'ai tout fait. J'ai tout fait dès le début jusqu'à la fin. J'ai tout fait. J'ai amené même des partenaires pour que ils me soutiennent pour la réussite de cet événement. Au départ, j'étais seul. Au départ, j'étais seul. Mais quand des imprévus ont commencé à venir, des imprévus, payer les billets d'avion, payer ça, j'ai décidé d'amener des partenaires dans cette affaire pour pouvoir me pousser d'aller jusqu'au bout de ce contrat. Et à un niveau, à un moment, je ne faisais même plus ce concert pour me faire de l'argent. Je partais au bout de cette histoire pour ma crédibilité, pour la crédibilité des sponsors qui se sont engagés dans cette histoire. Air Maroc, System Tchakap. Parce que je devais respecter mon engagement vis-à-vis du contrat qu'on a ensemble. Mais ça n'a pas été le cas. Je vais vous dire quelque chose. Quand Sidiki ne voyage pas le 19, quand il rentre chez lui à la maison, entre-temps, il a embarqué. Et Maroc, parce qu'il est dans le vol. Entre-temps, il a fait le check-in, mais il est rentré chez lui. Mais et Maroc, de Londres, ont eu un message que l'artiste est dans le vol. Très tôt, le matin, le manager de Maroc m'appelle. Napoléon, qu'est-ce que tu fais? Non, je suis couché. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis, mais il s'agit de quelle bonne nouvelle, monsieur le manager? Il dit, j'aimerais te dire que ton artiste est dans le vol. Il arrive sur Paris. Félicitations. J'ai dit à le manager que non, l'artiste n'a plus voyagé. Il était choqué. Le manager était choqué. Il m'a dit, mais incroyable, on a reçu un mail que l'artiste a fait le check-in, et il est dans l'avion. Il doit être à Casablanca maintenant. J'ai dit à le manager, monsieur le manager, l'artiste est rentré chez lui à la maison. Où je te parle, l'artiste m'a obligé de lui payer des billets d'avion de Bamako à Paris. Il m'a dit qu'il ne veut plus voyager avec Air Maroc. Et le manager de Air Maroc n'a pas pris deux chemins pour me dire ces vérités. Il m'a dit sur place que monsieur Napoléon, moi je vais annuler mon contrat de partenariat avec toi. Je vais te poser une seule proposition. Si tu es partant, je m'engage. Si tu n'es pas partant, Air Maroc se recule complètement de cette histoire. Je lui demande quel est l'engagement, qu'est-ce que vous proposez, monsieur le manager? Le manager me dit, côté billet avion, oublie. On ne va pas te donner l'argent pour payer les billets d'avion à Sidiki Diabaté. Ça, je te rassure. Si tu attends que nous, on te donne l'argent d'acheter les billets sur un vol concurrent à nous,
tu te trompes. Bats-toi toi-même, achète les billets. Si Sidi qui vient à Londres, on décore la salle avec nos logos. Le lendemain ou bien le lundi après le concert, viens au bureau. Moi, je vais signer un chèque. Je vais te remettre. Je dis, monsieur le manager, un chèque de combien? Le manager me dit, si tu fais voyager l'artiste, il arrive. On vient décorer la salle avec nos logos. Je signe un chèque de 5000 livres. Lundi, je te remets. Voilà comment un Maroc est resté dans cette histoire. Sinon, ils m'ont dit qu'ils ne sont plus partants. J'ai dit, monsieur le manager, je vais acheter les billets d'avion. Je vais faire voyager l'artiste. Ce que tu as proposé, je suis partant. Le jour du concert, vous allez décorer la salle. Vous allez mettre vos logos partout. Et le lundi, moi, je vais venir au bureau. Vous me donnez le chèque de 5000 pounds. C'est comme ça qu'on est tombé d'accord. Et c'est là où je me suis levé pour aller chercher l'argent pour payer les billets de M. Sidiki Diabaté. Quelque chose qui n'était pas prévu dans mon budget. Mais Dieu merci, j'ai eu la chance d'avoir l'argent de payer ces billets. Voilà le reçu. Le reçu, elle est là. Voilà ça. Et ils sont venus à Paris avec les billets d'avion que j'ai achetés avec mon propre argent. Ils ont refusé de voyager. Ils sont restés à Paris et partis fêter en boîte de nuit le jour qu'ils devaient venir faire un concert à Londres. Je ne vais pas les juger. Je ne vais pas dire des choses méchantes. Je laisse Dieu nous juger. Dieu fait son travail. Pour conclure, voilà ce qui s'est passé avec ce concert du 23 juin. J'ai tout fait. C'est à vous de juger. Peut-être je n'étais pas à la hauteur, mais du fond de mon cœur, je sais que j'ai mis toute l'énergie pour que cet événement se passe bien. Tout. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Je n'ai pas dormi chez moi pendant 3-4 jours. Les derniers 2 jours avant le concert, j'ai dormi chez un ami qui s'appelle Abdul de Bamba, vous pouvez l'appeler. Il a témoigné ce que j'ai traversé. 2 jours avant le concert, c'est là, c'est chez lui que j'ai dormi. Pas parce que j'ai voulu, mais le hasard m'a amené chez lui. Le hasard m'a amené chez M. Abdul de Bamba et c'est de chez lui que je dirigeais la petite soeur de Sidiki pour aller faire la demande de visa. J'ai dormi 2 nuits là-bas. Je pars, je fais mes tours, je fais mes courses, je reviens, je communique avec eux, ça finit tard. Je ne peux plus rentrer chez moi. Je suis obligé de dormir là-bas avec les mêmes habits. Donc, j'ai porté même les mêmes habits pendant 2-3 jours. Et le jour du concert, ces mêmes habits étaient sur moi. Et avec cet état d'esprit, avec les mêmes habits chaque jour, avec la sueur dessus, vous me demandez d'organiser, de continuer avec un artiste qui est sur place. Et les gens qui sont venus de loin pour venir voir M. Sidiki Diabaté, qu'est-ce que je vais leur dire? Vous pensez qu'ils vont croire facilement que M. Sidiki Diabaté a eu le visa et n'a pas voulu venir pour des raisons qui le concernent? Et vous pensez que ces gens allaient me pardonner? Je sais que l'argent, c'est le nerf de la vie. Côté argent, je pouvais me faire beaucoup des milliers de pounds le jour-là avec un artiste. Mais est-ce que j'ai accompli? Est-ce que j'allais accomplir mon travail? Mon travail était de faire venir Sidiki et Loco sur la même scène. Malgré cet argent, est-ce que je devais rentrer chez moi satisfait? Est-ce que je devais rentrer chez moi avec la conviction d'avoir fait plaisir à mon public? Je pense que non. C'est vrai que des gens ont payé les tickets avant le concert. Ils ont payé les tables. Ces gens seront remboursés. Mais ça sert à quoi de tromper les gens? Parce que les gens n'allaient pas croire, surtout qu'ils ont vu le visa de l'artiste circuler sur les réseaux sociaux. Si l'artiste a le visa, qu'est-ce qui l'empêche de venir? Qu'est-ce qui empêche à l'artiste de venir quand il a le visa? Donc ça veut dire que le promoteur a voulu jouer sur notre intelligence. Mais j'ai fait ce que je devais faire. Au jour d'aujourd'hui, son équipe peut venir expliquer des choses.
Mais j'ai expliqué la version des faits, ce qui s'est réellement passé. Et j'aimerais que vous partez sur la page officielle de Sidi Diabaté. Demandez-lui pourquoi son manager, M. Ali Castro, signe un contrat de 10 000 euros avec moi. Et deux semaines avant le concert, il vient monter le cachet à 15 000 euros. Demandez à Sidi Diabaté cette question. Demandez à Sidi Diabaté pourquoi il a refusé d'utiliser les billets d'avion que Air Maroc a fourni. Pourquoi ils ont perdu mon temps en demandant à Air Maroc de changer les différents jours de voyage d'un jour à l'autre. Pourquoi? Dans le contrat, j'ai le contrat ici. J'ai le contrat ici. Dans ce contrat, il n'est pas stipulé de prendre les billets d'avion de Sidi Diabaté sur Air France ou sur Corsair. Il n'est pas stipulé dans ce contrat que Sidi ne voyage pas avec Air Maroc. Si c'était stipulé dans le contrat, je n'allais pas solliciter la demande de sponsoring de Air Maroc. Si c'était stipulé dans ce contrat, je n'allais pas demander à Air Maroc d'être partenaire de cet événement parce que Sidi Diabaté ne voyage pas avec Air Maroc. Peut-être j'allais solliciter le sponsoring de Air France, mais dans ce contrat, il n'y a pas une clause qui stipule que Sidi ne voyage pas avec Air Maroc. Malgré tout ça, il vient à la dernière minute me dire que Sidi ne voyage pas avec Air Maroc après m'avoir obligé de changer les différents jours du voyage. Le 16, après le 16, le 17, après le 17, le 18, après le 18, le 19, après le 19. Non, on veut des nouveaux billets d'avion. Achète-nous des billets d'avion de Bamako à Paris. Ce qui n'était pas prévu dans mon budget. Ce budget des billets d'avion, je pouvais prendre cet argent pour solder le cachet de M. Sidi Diabaté. Voilà la réalité des faits. Aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup d'argent. L'argent de la salle, l'argent dans la communication, l'argent d'avion, les frais de visa qui m'a coûté plus de 3000 pounds. Ma crédibilité. Et je vais vous dire, avec toute humilité, je n'ai jamais annoncé un artiste pour mon événement. L'artiste n'est jamais venu. Jamais. Tous les plateaux que j'ai annoncés, les artistes sont toujours venus. J'ai toujours fait ce qu'il faut pour que l'artiste soit là. J'ai travaillé avec l'artiste francophone le plus compliqué. Avec tout le respect que j'ai pour cet artiste, j'ai travaillé avec un artiste francophone qui est très, très exigeant au nom de Monsieur DJ Arafat. Quand j'ai signé Arafat pour l'amener au Cameroun, les gens ne croyaient pas que Arafat va venir à ce concert. Les gens ne croyaient pas que je vais déplacer Arafat pour le Cameroun. Arafat, que tout le monde le sait, qui a l'habitude de ne pas respecter ses engagements, était au Cameroun pour ce concert. Et il a fait un bon concert. Tout le public était content. Donc c'est pour vous dire que quand j'annonce un artiste pour mon événement, je veille à ce que l'artiste vienne. Pour la première fois, j'ai fait tout ce qu'il faut. Je ne me suis jamais investi physiquement, mentalement, dans un événement comme celle-ci pour que les artistes aient leur visa, pour que les artistes viennent sur place pour un événement, pour cet événement. Je ne me suis jamais investi comme ça, jamais. Si vous me connaissez très bien, pour ceux qui me suivent sur Facebook, si vous regardez la manière que j'ai communiqué sur cet événement, ce n'est pas la même manière que j'ai communiqué sur le concert de Mr. Leo et Singila. Si vous vous rappelez bien, il y avait une communication impeccable avec le concert de Mr. Leo et Singila. Pour ceux qui me connaissent, ils vont témoigner ça, ils vont confirmer ça. Cet événement, moi personnellement, je n'ai pas bien communiqué dessus. Pourquoi? Demandez-vous pourquoi moi, le promoteur, je n'ai pas bien fait la com sur cet événement comparé à l'événement que j'ai fait avec Mr. Leo et Singila. Parce que psychologiquement, je n'étais pas bien. Psychologiquement, j'étais abattu. Même mon équipe avec qui j'ai travaillé au concert de Mr. Leo et Singila, on s'est pris la tête. J'ai reculé beaucoup de gens. Je ne me suis pas investi à fond pour la communication de cet événement. Pourquoi? Parce que au lieu de communiquer, au lieu de faire la publicité sur l'événement, j'étais dans les coulisses
en train de négocier avec les artistes après avoir signé les contrats avec eux. Donc, je signe un contrat avec les artistes. Au lieu de me consacrer sur la communication, sur la promo du concert, j'étais dans les coulisses encore en train de négocier. Je ne souhaite pas ce que j'ai traversé à aucun promoteur, jamais. Ce que j'ai traversé, je ne souhaite pas ça à aucun promoteur. Parce que même en enfer, je ne pense pas que l'enfer est comme ce que j'ai traversé il y a 2 mois jusqu'au 23 juin avec ces 2 garçons. Jamais. Mon cœur ne battait même plus bien. Je n'arrivais pas à respirer bien. J'ai envoyé quelques notes vocales, quelques messages à quelques amis pour leur montrer ce que j'ai traversé. Écoutez, même quand je parle dans ces messages, vous allez constater que je ne respire pas bien. Vous allez constater à travers ma voix, je ne respirais plus bien. Je n'arrivais même plus à communiquer bien, à parler bien, à bien m'exprimer. À cause du stress, je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Je fais cette vidéo pas pour nuire à l'image de Sidiki Diabaté ou à l'image de Loco. C'est mes jeunes frères. Je ne vais pas les blâmer. La seule chose que je retire de tout ce qui s'est passé, c'est le fait que j'ai signé 2 artistes qui ne sont pas bien structurés. 2 artistes qui n'ont personne. Il n'y a personne dans leur équipe qui peut les influencer, qui peut les conseiller. Et ils prennent les conseils de cette personne. Quand une petite fille de 22 ans gère la carrière de son grand frère, vous attendez que cette petite fille de 22 ans va donner des instructions à son grand frère, il va écouter? Mais jamais. D'abord, c'est une petite soeur. Et de 2, elle vient dans un monde qu'elle ne connaît pas, le monde du showbiz. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait pas ce qu'il faut. Loco, personne ne peut l'influencer. Il prend la décision d'annuler le 2e concert. Je fais tout pour le convaincre. Je vais vous envoyer le message. Je vais vous faire écouter le message que j'ai fait écouter, que j'ai envoyé à Loco. Donnez-moi 1 minute, j'arrive. Yes, brother, you are disrespecting me. Because what you're trying to do is not professional at all, bro. Those who are advising you to take this. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter le message que j'ai envoyé à Loco. Quand il m'a fait comprendre sa décision de ne pas respecter la date du 30 juin. Entre-temps, j'ai déjà payé la salle pour le concert du 30 juin à Birmingham. Voici le message. Je vais vous faire écouter le message que j'ai envoyé à l'artiste Loco en me disant que peut-être après avoir écouté ce message, il va changer d'avis. Il n'a pas changé d'avis. Je vous fais écouter le message. Are not helping you at all. If anyone tells you to cancel this event the 30th because you want to attend an event on the 30th of June, that person doesn't want your career for 1 second. You can have an agreement, a contract with the promoter. And 2 weeks before the event, the tour, you come and tell the promoter you want to cancel one date. It's not professional. You know how much money has been invested in the second city? You know, do you know my credibility is at stake? You cancel it. What will I tell my public? Why? What am I going to tell my public? They want to know what happened. And do you think people will appreciate, people will clap for you when they will hear that you have a contract
or the promoter who has invested so much money, reassured your fans that you're coming, then in the last minute you come and tell the promoter that you can't do the other city, man, it's not professional at all. We're doing our best to put you guys on the map. Stop letting us down. Stop. Look at what Whiskey did here 3 weeks ago. He filled a venue of 20,000 pounds, of 20,000 people. 20,000 people at the O2 Arena. Only Beyonce and Jay-Z have done that before. This is because these guys are professional. They take their career serious. They respect their engagements. And that is what people like Arafat are doing today. When you have a contract, you respect. I wanted to take Siddiqui to Birmingham. He told me, you know what? I can't do the Birmingham show. I can't do only London. As simple as that. But you don't sign a contract with me for two events. Then you come back to me that you want to do one event. But brother, it's not professional at all. At all. It's not professional. I've spoken with guys of my team. Bro, I'm not the type of person who likes to ruin people's image. I don't like doing that. I want to work with you. I want to work with you in long term, in the longer term. I don't want this to strain our relationship. Trust me. I don't want to ruin your reputation. I don't want to send information out there that will make people look at you in a strange manner. Please respect your engagement, respect your contract. When you come, you perform. The company that has done your work permit, that's a big entertainment company in the UK. If they know that you're not coming, you don't want to respect your contract, my brother, it's not going to be easy for you. Trust me, you will never even come to England. If at all you come, you will not even perform because you have to pay all damages for not respecting your engagement. I don't want to go on that lane with you. So far, so good. We've been working well. Respect your contract. If anyone's needed for the 30, he or she should be patient. He can do something else another time. But this time, you have to respect your contract. I'm talking to you now as a junior brother, not as a promoter. I'm advising you like my own junior brother. Respect your engagement. Make yourself professional. Don't give opportunity for negative people to influence you and do things that will influence your image negatively. That's all I have to tell you. There are companies that check this. They do these background checks before they endorse you, before they take you as an ambassador. Look at the Nigerians today. The ambassadors of Pepsi, big companies, Glow, big companies. This is because they are well organized, well structured. They respect their commitment. That's how an artist has to function. If anyone back there in your team or your whatsoever who tells you, cancel this event on the 30th and stay, my brother, that person is not helping. He doesn't want the best of your career. Trust me, that's all I have to tell you. If you don't want to come, let me know. We cancel everything. If you're coming, please do me a video as soon as possible. We want to do the publicity spot. Thank you very much. Entre-temps, je n'ai pas eu la vidéo de confirmation de Monsieur Loco pendant toute la campagne de cet événement. Il m'a envoyé une seule vidéo. Et la vidéo n'est pas à l'image d'un artiste de son niveau. Il m'a envoyé une vidéo avec une chemise bizarre. Et j'ai fait comprendre à Monsieur Loco que tu viens pour un grand événement. Tu t'habilles bien, tu me fais une belle vidéo et tu m'envoies. Jusqu'à présent, il m'a jamais fait cette vidéo. Pareil avec Siddiqui Diabaté. Vous avez vu la vidéo de confirmation qu'il a fait. Est-ce que cette vidéo est à l'image de cet artiste? Le monsieur, dans la nuit, dans le noir, à côté de sa voiture, il fait une vidéo, il dit « I'm coming to London ». L'image est nulle, pas de professionnalisme, rien. Voilà le genre d'artiste que j'ai travaillé pendant 4 mois pour cet événement du 23 juin. Yeah, Mr. Loco, I've just been informed that you want to cancel the last event because Universal want to sign you. Well, first of quand Loco refuse de confirmer la date du 30, quand il annule la date du 30, j'appelle mes contacts de chercher pourquoi Loco ne veut pas faire la date du 30. Mes contacts me disent que Loco ne veut pas faire la date du 30 parce qu'il doit signer un contrat avec Universal Records. Et comme je vous parle, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est sur tous les réseaux sociaux.
Lokova signé avec Universal Records vendredi à Douala. Donc, mes contacts m'ont dit la vérité. Pourquoi il ne voulait pas venir pour cet événement du 30 juin? Parce qu'il va signer. Donc, il a préféré arranger sa carrière et me mettre dans l'obscurité. Et mettre mon argent, ma sueur, dans l'obscurité. L'argent de la salle, l'argent de la communication, l'argent, mon énergie. Il a décidé de mettre ça dans la poubelle et arranger sa carrière et rentrer au Cameroun, signer un contrat le vendredi avec Universal Records. Et où je vous parle, vendredi, il va signer. Pour ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux, vous allez déjà voir ça. Allez sur Culture et Ben, vous allez voir, c'est déjà annoncé. I tell you that when these companies sign artists, they don't organize shows for them. All right? Tenor was in Europe of recent. I don't know if he's still there. He did small shows around cities in Europe. You understand? What? I'm just begging you. I don't want to go to the extreme. I don't want to threaten you. But what you're trying to do with your image. And once it speaks out there, these companies won't want to sign you. Because when an artist signs a contract, he goes to the list of his engagement. That's how it goes. You don't sign a contract and you come back that, no, I want to cancel the second show. Do I look like someone who sells granite? Loco, please, just stop disrespecting me. You're an artist I respect so much. I first of all, love your music. I respect you and I'm doing all my best for you to come here. You don't know the stress that it takes to organize the shows for you guys to come here. So please, I respect you. Don't disrespect me like this. I'm begging you. Don't disrespect me. I'm begging. I don't look like someone who sells granite. And Mr. Loco has been very, very disrespectful to me. Very, very disrespectful. Mm-hmm. I bring Loco for the first time in the UK for a concert, for a tour. And he comes at the last minute to cancel the tour. When he goes to America, he does tours there. They take him to bars and restaurants where he performs. He respects those contracts. When I bring him to England to do proper events with him in big halls, nice venues, he contacts me and tells me he cannot do the second concert. That's what I've been through. I want to let you guys know, to bring an artist in the UK with a work permit, it's not easy. You have to pay the company first that has the license to make this work permit, which is a lot of money. So when someone like me does his best to do things professionally, to make this artist look professional, and they are compensating me like this, do you think it's nice? I'll take an example. With all the respect I have for Daphne, I have a lot of respect for her, a lot. I think some of you should be aware what went wrong with her in America. She was performing in the US with a visit visa. She was doing shows in the US with visit visas. And someone told the US immigration section about that. Unfortunately for her, she was canceled that visa and deported back to Cameroon. When an artist goes to a country with a visit visa, he or she doesn't have any right to perform. If he or she does that, the immigration people know about it. On that spot, his or her visa will be canceled and he or she will be deported. But with my case, I don't do that for my artist. Mm. The visas I did for Loco, the visas I did for Sidiki Diabaté, are professional visas, are work permits. They are work permits. They are not visiting visas. Just to tell you, I did everything professionally. The hall was already waiting for the artists and the public. Everything was on board. But unfortunately, both artists were not professional with the contract they got themselves engaged. That's the truth of the story. That's my own version of the story. I'm not doing this because I want to justify myself. I'm just telling you what happened from the beginning to the end. I'm not doing this video because I want you guys to hate Loco or to hate Sidiki Diabaté. They're our junior brothers. They're our own brothers. Nobody is perfect. Nobody is perfect. But what I want to advise is let these guys be surrounded by professionals, that people who can
advise them, who can advise them, who can influence their careers professionally. You can't take your own junior sister to be a manager. You can't take your own junior sister. By the way, she's your junior sister. She's not your elder sister. Between the two of you, if someone has to respect the other person, it's the junior sister who has to respect the elder brother. So the elder brother is more positioned to influence his or her junior brother's or junior sister's decision. You can't take a junior sister to influence an elder brother's decision, which is impossible. You see? So surround yourself by professionals, and you are going to make your own work easy, and you are going to make our job, us promoters, very easy to work with. But when you pick people around you who cannot influence your career positively, you are making things difficult for us. And that's what just happened in this concert. An artist gets a visa. In the contract, it is stipulated that he has to be given 8,000 euro to come to the UK. He gives a contact for the 8,000 euro to be paid to. You go to pay the money to the contact. The contact takes the money, calls the artist that the 8,000 is here, and the artist refuses that, no, I don't want the 8,000 euros anymore. Give him back the money, tell him to leave your house and go. I'm not coming back to London. I'm not coming to London for the concert. He stayed in Paris, went to club that night, enjoyed himself while I was sinking alive in the middle of the sea. All my money is gone. All my investment is gone. I'm on deficit. Deficit in the fact with the fact that I have to refund those who bought tickets. I have to refund those who bought tables. That's the mess I found myself in. Not by my fault, but by the ego of an artist. By an artist who doesn't want to respect his own part of the contract. Even though the promoter went extra mile to do things which wasn't scheduled in the contract. That's the story. That's the reality of everything. So I want to seize this opportunity to apologize to everyone. Those who bought tickets, those who bought tables, I'm really, really very sorry. You know me. All my events I've always done, I've brought the artist. And if you want, I can recapitulate. Lady Pongs, she was in Birmingham. I brought her in Birmingham. She came late, but she was there. Coco Agente, I brought her. Awilo Longomba, all my events I've done with him, he's been there. Sami Diko, Boro Sangi, he's been there. DJ Arafat in 2015 that I took to Cameroon, he came. When no one was believing that he would be there, because he has the trend, he has the trend not to respect his contract, but he came for the event. All the artists that are announced for my shows are always there. This is the first time this is happening to me. And the thing that can prevent an artist from coming to a show is the visa, especially in the UK. And that visa is there. You can scroll on my Facebook page. You will see Siddiqui Diabaté's visa. You will see Loco's visa. You will see the dates that those visas were issued. They were issued this month. So I did everything I could for these guys to come and entertain all of you. I don't know if I will say God's, it wasn't God's decision, or it was Satan's will. I don't want to put it that way. But once again, I'm sorry for everything. And as I earlier said, refund for tickets bought will begin on Friday. My credibility is gone. There are people who will never take me serious anymore. But this is the job I've decided to do. This is the job that makes me to pay my bills, feed myself, help my family. I'm not going to withdraw from this industry because Siddiqui Diabaté did not respect his contract with me. I'm not going to withdraw from this industry because Loco didn't respect his contract with me. I'll be back very soon. And I'll be back to give you what I know. I'll be back to make events that will make you all happy. It wasn't my fault. I did what I had to do. And once again, I'm sorry for everything. And that's what happened. What I've explained here, I have the contract, two contracts. I have two contracts.
I have the contract for 10,000 euros with Sidiki Diabaté from the start, and I have the contract with Sidiki Diabaté for 15,000 euros 2 weeks before the show. You can see the date. 2 weeks before this concert, I was obliged to pay 15,000 euros instead of 10,000 euros. That's what I've been through. So thank you very much for those who took their time to listen to me. And don't hesitate to contact me should in case you have any doubt. My Facebook page is open. My phone number is on the flyers of the concert. You can always call me if you have any query. Thank you very much, everyone, and hope to see you some other time when I'll be ready to organize another concert to satisfy all fans of African music, those who don't want to forget their origins, those who don't want to forget the pride, the dignity that Mama Africa gave them. So thank you very much for listening, and hope to see you some other time. Thank you very much.